Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Bonsoir, mon chat. Allez vite vous changer, vous devez être trempé par cette pluie. Oh, il y avait une lettre pour vous au courrier de l'après-midi. Je l'ai mise sur la table de votre chambre. Ah, une lettre de Philippe? Non, pas de votre fiancé. Ce n'est pas l'écriture de M. Galtier. Oh. Je me change et je redescends vous aider pour le dîner. C'est ça. Chère mademoiselle Berle, permettez à un vieillard de vous donner un sage avis, dicté par la seule sympathie. Avant de devenir la seconde madame Philippe Galtier, essayez de savoir comment est morte la première, la belle Mercedes. Si par hasard vous veniez à découvrir qu'elle a été assassinée... Oh! Michel, mon petit, je vous ai demandé le sel. Oh, pardon. C'est l'absence de lettre de votre fiancé qui vous met dans la lune? Oh, non. Si j'avais pu me douter en vous demandant votre concours pour notre société de bienfaisance Caritas, de tout ce qui allait s'en suivre, que 2 mois plus tard, vous en seriez la secrétaire, et 3 mois après, la fiancée de notre président Philippe Galtier. Je en veux, vous savez, de vous enlever à moi. Oh, mademoiselle Alice. Si, si. C'est bien simple. Quand vous serez mariée, je ne prendrai plus de locataire. Oh. Je me suis trop attachée à vous. Et je ne pourrai plus supporter quelqu'un d'autre. Ah, à propos de Caritas, il faudra que j'aille porter demain à la mère Salviandi aux échelles une paire de chaussures que je lui ai promise. Vous n'auriez pas un bout de papier pour l'envelopper? Mais, regardez dans le placard de l'entrée, mon petit. Bon, bon, j'y vais. Oh, zut! Mais qu'est-ce qui se passe? En ouvrant le placard, toute une pile de journaux s'est écoulée. Oh, ce n'est rien. Mon frère François entasse dans ce placard, jour après jour, tous les numéros du Républicain de Chazelle. Il doit y avoir des années et des années. Je vais les remettre dans l'ordre. Oh, c'est pas la peine. François ne les regarde jamais. Ils étaient soigneusement rangés. Ah, ce n'est pas une manie chez mon frère. C'est simplement une qualité professionnelle. Ah, un homme désordonné ne saurait être préparateur en pharmacie. Oh. Quoi encore? Regardez ce journal. Un numéro d'il y a 2 ans avec ce gros titre. Un accident tragique en deuil à notre cité. Madame Philippe Galtier fait une chute mortelle. Cette photo... Ah, c'est celle de Mercedes. Enfin, de la première femme de Monsieur Galtier. Elle était belle. Si on veut, dans son genre. Je préfère le vôtre, ma petite Michel. Je ne suis pas la seule.
Tenez, Madame Vautrenal, qui est une vieille amie de la mère de votre fiancé, elle a vu naître Philippe, elle le tutoie. Eh bien, Madame Vautrenal elle-même est de mon avis. Et vous savez, Madame Galtier, mère, n'avait pas consenti à ce mariage avec cette Mercedes. Et comme son fils n'a pas voulu entendre raison, c'est elle qui a cédé la place. Elle est partie habiter sa maison de Bordeaux. Elle n'est jamais revenue à Chazeuil, même après la mort de sa bru. Oui. Philippe n'a jamais fait la moindre allusion devant moi à son premier mariage. Ni aux circonstances de la mort de sa femme. Je sais que c'est un accident, c'est tout. Un accident, oui. Pourrais-je prendre les journaux qui en parlent pour les lire ? Ce matin à 8h, Mademoiselle Clotilde Châtelaine, qui est depuis 20 ans au service de la famille Galtier. Clotilde, le vieux dragon femelle, comme l'appelle Philippe. Mademoiselle Clotilde Châtelaine se présentait chez le concierge de la Hortille, la magnifique propriété de la famille Galtier aux portes de notre ville. Elle débarquait du train qui la ramenait d'Auriac, où elle avait passé 2 jours auprès de sa mère malade. La fille du concierge, Mademoiselle Francine Bernat, qui est la femme de chambre de Madame Galtier. Tiens, la fille du père Hibernat était femme de chambre à la Hortille il y a 2 ans. Oh, je l'ignorais. Mademoiselle Francine Hibernat, femme de chambre de Madame Galtier, se joignit à Mademoiselle Châtelaine et les deux femmes se dirigèrent vers la maison des maîtres, dont elles avaient la clé. À leur grand étonnement, elles trouvèrent la porte ouverte et la maison vide. Monsieur Hibernat, prévenu, se joignit à elle et ils parcoururent ensemble les alentours de la maison. C'est Francine Hibernat qui aperçut la première sur le sol une mule d'intérieur de sa maîtresse. Quant à cette dernière, elle gisait tout près de là dans le lit actuellement à sec du ruisseau qui traverse le parc de la Hortille. La malheureuse avait succombé à une fracture du crâne consécutive à sa chute. Ignorant la fragilité de la passerelle, dont le bois était pourri, et trompée par l'obscurité, l'infortunée se sera trop fortement appuyée au garde-fou, à la suite peut-être d'un faux pas que prouverait la mule perdue. Monsieur Galtier se trouvait à Bordeaux chez sa mère au moment de l'accident. Oh. Pauvre Philippe. Demain dimanche, j'irai voir Madame Vautrenal. Que c'est gentil à vous de me faire visite, Mademoiselle Berle. Le dimanche, en fin d'après-midi, entre les vêpres et le moment où mon frère rentre de son cercle, je suis toute seule. Je m'ennuie toujours un peu. Et cette visite, qu'est-ce donc qui me la vaut ? Oh, vous allez me trouver bien sotte, madame. Mais vous êtes la seule à qui je puisse parler sans embarras. Voilà, le hasard m'a mis sous les yeux hier un vieux journal qui relatait l'accident dont a été victime la femme de Philippe. Il y avait une photo d'elle. Je l'ai trouvée si belle, si gracieuse en comparaison de moi. Que vous craignez de n'être pas à la hauteur de la situation, de décevoir Philippe. Oui. Oh, rassurez-vous. Vous ne ressemblez pas à Mercedes. Et entre nous, cela vaut mieux. Mais vous l'avalez bien, croyez-moi. Mais il y a les manières, l'aisance, l'habitude d'une certaine vie. Une vie qui n'a été jusqu'à présent la mienne, ni dans ma famille, ni derrière mon guichet de poste. Je vais vous étonner, ma petite fille. La famille de Mercedes est toujours ici, à Chazelle. Et savez-vous où elle habite ? Non. Aux échelles. Oh. Aux échelles ? Dans ce quartier si pauvre, si sale. Vous vous occupez de la famille Salviandi, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, la mère et le frère de Mercedes sont leurs voisins. Oh. Mais que font-ils là ? Ils sont tombés dans la misère ? Ils y sont restés. Seule Mercedes en était sortie. Mais oui, je vois que vous ne connaissez pas leur histoire. Les Falcandelles sont de ces Espagnols qui se sont installés par ici après la guerre civile. Mercedes et son frère Manuel étaient tout enfants.
Le père s'est fait écraser par un camion un soir qu'il était ivre. La mère travaillait à la fabrique de chaussures Galtier. Elle collait des étiquettes sur les boîtes. Elle souffrait du cœur. Mercedes l'a remplacée à l'usine dès qu'elle a été en âge de travailler. Elle avait 20 ans quand Philippe a pris la direction à la mort de son père. Il l'a vue, il a voulu l'épouser. Elle était très belle. On l'appelait la beauté aux échelles. Je dois dire qu'après leur mariage, cette Mercedes m'a étonnée. Elle n'avait pas d'instruction, mais elle était intelligente. Elle s'est éduquée, formée au contact de Philippe et par des lectures. Quand l'accident s'est produit, j'ai été sincèrement bouleversée. Mais vous parliez tout à l'heure de son frère. Manuel Falcandel. Oui. C'est un mauvais sujet, paresseux et coureur. Il a disparu de Chazelle avec sa mère peu après l'accident. Ils ne sont revenus aux échelles qu'assez récemment. Manuel travaille maintenant chez Alcalabar. Vous savez, le ferrailleur. Ah, oui. Ça lui permet de gagner ce qu'il faut à sa mère pour soigner son cœur malade. Au vin blanc. Dangereux de se pencher comme ça. Heureusement que le garde-fou a été réparé. C'est là que... Oui, je sais, monsieur. J'étais venu voir si on n'avait pas adressé à monsieur Galtier une lettre importante que nous attendons pour Caritas. Ah, ben justement, j'allais porter le courrier dans le bureau de monsieur Philippe. Maintenant, si vous voulez y jeter un coup d'œil... Oui, merci. Ben, j'en profiterai pour donner un coup d'œil à mes collègues. Bon, ben, il n'y a rien pour Caritas. Merci, monsieur Hibernat. J'ai trouvé des journaux qui parlaient de l'accident qui est arrivé à madame Galtier. J'ai voulu voir l'endroit. Ah oui, je comprends. Ben, c'est juste ici. Le malheur, c'est qu'il n'y avait pas d'eau dans le ruisseau comme à présent. Ben, tenez, vous voyez, il y en a un bon mètre. Ouais. Ça l'aurait sauvé, ça. Tandis que sa tête a donné sur un caillou. Elle est morte sur le coup. Mais elle ne savait pas que la passerelle était pourrie. Ben, je l'avais dit à M. Philippe, même qui m'avait commandé de faire venir le charpentier. Mais il avait peut-être pas pensé à prévenir madame. Oh, c'est vrai que la passerelle, elle ne sert guère qu'à gagner le petit kiosque et qu'elle y allait pour ainsi dire jamais. Mais ben, le malheur, c'est aussi que ce jour-là, le fiancé de ma fille était chez nous. Et il faisait son service et il était en permission. Alors on a joué aux cartes et le temps a passé, quoi. Si bien que j'ai pas fait ma tournée comme les autres soirs en fumant ma pipe. Ben, si je l'avais faite, j'aurais peut-être vu madame. Et je l'aurais prévenue pour la passerelle. Ouais. Bon, eh bien, si vous voulez, monsieur Hibernat, je peux porter le courrier à la maison. Oh, c'est pas aimable à vous, mademoiselle. Merci. Clotilde, ce soufflet était une merveille. Voulez-vous être gentil? Apportez donc le petit paquet que j'ai laissé sur la console du vestibule. C'est quelque chose pour mademoiselle Berle. Tout de suite, monsieur Philippe. Qu'est-ce que c'est que ce paquet? Un cadeau pour votre fête, Michel. Ce n'est pas ma fête. Le mois de septembre est loin. Disons que je suis un peu en avance. Voilà, monsieur Philippe. Tenez, Michel. J'attends la Saint-Michel ou bien j'ouvre le paquet tout de suite? À la Saint-Michel, vous serez madame Galtier. C'est à mademoiselle Berle que je fais ce cadeau. Bon alors, j'ouvre. Oh, c'est ravissant, Philippe. Oh, merci. Dites-moi, ma chérie. Oui. Tout au long de ce dîner, je vous ai trouvée, comment dirais-je, soucieuse, préoccupée. Se serait-il passé quelque chose en mon absence? Mais qu'avez-vous? Rien, Philippe, je n'ai rien.
Je suis peut-être un peu lasse, c'est tout. Ah, c'est peut-être aussi que je pensais à cette visite que je dois faire demain aux échelles. Michel, ce soir, faites-moi la charité de ne plus penser à Caritas. Excusez-moi, vous êtes bien Manuel Falcandel, le frère de Mercedes? C'est moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, comme ça, vous connaissiez la beauté? Et vous êtes venu bavarder avec son petit frère? Vous étiez une de ses amies du grand monde? Non, je n'ai jamais connu votre sœur, monsieur Falcandel. Je ne suis à Chazeille que depuis un an. Je m'appelle Michel Berle. Mademoiselle Berle? Ah oui, je suis. On ne connaît que vous aux échelles. Vous faites une de vos tournées de charité, je parie. Je suis fiancée à monsieur Philippe Galtier. Félicitations. Ah, je comprends. Vous êtes venu voir quel genre de famille il faut avoir pour lui plaire. Bonne idée. Malheureusement, vous aurez du mal à trouver un frangin comme moi. Quant à la vieille, vous l'avez vue, non? Bon, eh bien, dépêchez-vous, car elle n'en a plus pour longtemps à siffler du blanc. Ah, moi, comme mon cher beau-frère. Et monsieur Galtier ne doit même pas savoir que votre mère et vous êtes revenus à Chazeille. Hein? Après tout, on s'entendait pas si mal tous les deux, Philippe et moi. Enfin, au début, tout au moins. Il me faisait bonne figure, il parlait même de me caser dans sa boîte. Moi, je disais, ni oui ni non, je voulais voir d'où venait le vent. Mais ça ne plaisait pas à Mercedes. Maintenant qu'elle avait fait le chic mariage, la beauté, je n'étais plus un frère assez reluisant pour elle. Alors un jour, elle a raconté je ne sais quoi à son mari, et Philippe m'a dit que c'était plus la peine de venir à la Hortie. Et après cette rupture, vous n'avez plus revu votre sœur. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, mademoiselle Berle? Enfin, puisqu'on en cause, oui. Je suis revenu en cachette à la Hortie, deux fois. La première fois, c'est Francine, sa femme de chambre, qui a oublié de fermer une porte. Francine Hiberna? Oui, ça vous étonne? La Francine ne pouvait pas me refuser ce petit service, après m'avoir accordé autre chose. Et j'aurais pu dire deux mots à son fiancé, ou un bouseux qui faisait son service militaire à Toulouse à l'époque. Elle l'a épousé depuis, un nommé Fernand Malvy. Ce jour-là, la beauté m'a mis sous le nez le revolver de son mari. Elle m'a dit qu'elle allait tirer comme si elle m'avait pris dans le noir pour un voleur. Elle était bien capable de le faire, ma chère sœur. Je filais. L'autre fois, c'était en plein jour. Je l'ai coincé dans le petit kiosque, son salon de lecture. Je lui ai dit que si elle me donnait de l'argent, elle serait débarrassée de nous, la vieille et moi. Elle n'avait pas de liquide, elle m'a promis 30 000 francs pour le surlendemain. Elle m'a envoyé seulement 20 000, trois jours plus tard, par Francine. Alors, la semaine d'après, je suis parti avec la vieille à Montauban. J'avais là-bas un ami qui m'a pris dans son garage. Et vous n'êtes jamais revenu à Chazeille? Ah, si. Je suis revenu voir des amis, de temps à autre. J'allais bien faire un tour du côté de la Hortie pour admirer le château de la beauté. Mais je n'y suis jamais entré. Et puis un jour, j'ai su que Mercedes était morte. Morte et enterrée. Après sa mort, vous vous êtes réinstallé aux échelles. La vieille m'avait dit qu'elle aimerait assez mourir ici. C'est pas un plaisir à lui refuser. Voilà. Vous vouliez des détails, vous êtes contente, j'espère. Maintenant, je vais vous donner un conseil par-dessus le marché. Mademoiselle, la future seconde femme de mon ex-beau-frère. Méfiez-vous du petit kiosque dans le parc à la Hortie. C'est mauvais, ce coin-là. Pourquoi dites-vous ça? Parce que c'est là que la beauté y est passée. Si vous étiez aussi superstitieuse qu'elle, vous penseriez qu'il y a des endroits qui portent malheur. Est-ce que votre sœur était peureuse? Heureuse, Mercedes? Comme un enfant de 2 ans, surtout la nuit. Quand son Philippe n'était pas là, elle bouclait tout à 5 heures. Alors est-ce que vous croyez qu'elle se serait hasardée seule dans le parc, à 11 heures du soir, même pour aller chercher un bijou auquel elle tenait? C'était dans ça. Chapeau, mademoiselle, vous feriez un fameux flic. Alors comme ça, on a des soupçons sur la mort de la beauté. Hein? On se dit qu'après tout, un petit copain aurait bien pu l'aider à tomber de la passerelle. Parfait. Et qui a fait le coup? Cette question. Le frangin, le voyou parbleu!
Il est capable de tout, vous savez, Emmanuel. Vous avez bien raison de vous méfier de lui. Alors, allez trouver la police, dites-leur ce que vous savez ou ce que vous croyez savoir, mais moi, je les attendrai bien sagement. Non, mais je vous posais une question qui me passait par la tête, c'est tout. J'ai aucune raison d'aller trouver la police. Ce que vous avez, c'est la trouille. Ce qui est arrivé à la beauté, vous ne serez jamais sûr que ça ne peut pas vous arriver à vous, tant que vous ne saurez pas qui l'a fait et pourquoi. Écoutez-moi bien. Si un jour, quand même, l'envie vous prenait d'aller trouver la police, faites attention à ce que vous direz. Parce que moi, je ne veux pas d'ennuis avec les flics. Pensez-y. Sans quoi, je pourrais raconter au Philippe des choses qui ne lui plairaient pas. C'est tout. Au revoir, mademoiselle. Et merci pour votre bonne visite. Et mes amitiés à votre fiancé. Madame Malvy, Francine Bernard, de votre nom de jeune fille. Chez moi, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous arrêter ainsi à la sortie de la messe, mais j'ai un renseignement à vous demander. Un renseignement? Je n'ai pas le temps de donner des renseignements, moi. De quoi il s'agit? Eh bien, voilà, je fais partie de l'association Caritas. Nous désirons nous informer au sujet d'un certain Manuel Falcandel, qu'on nous a signalé comme un garçon intéressant, en vue d'une place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne le connais pas, moi. Oh, mais si. Mais si, mais si, vous le connaissez, même très bien. Je le sais de bonne source. Venez, faites donc quelques pas avec moi, que nous causions tranquillement, en amis. Si vous y tenez. Voilà. Mais vous savez, je n'ai rien à dire. Alors, je vais vous aider. Voyons, de quoi est-ce que Manuel vivait quand vous étiez à la Hortille? Il ne travaillait pas? Sa sœur lui donnait de l'argent au début. Et vous, ensuite? Rien. Enfin, un tout petit peu, je suis pas riche, moi. Mais il y en avait d'autres. Ouais. Il venait souvent à la Hortille? Oh, ça dépendait des semaines, deux ou trois fois, d'autres pas du tout. Même après être parti avec sa mère à Montauban? Oui. Je serais bien partie avec lui à Montauban, mais il voulait pas. Il disait que le mieux pour moi, ce serait de me marier avec Fernand Malvy quand il reviendrait du régiment. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Quand Manuel est-il venu à la Hortille pour la dernière fois? Le soir de l'accident. Oh, et puis, laissez-moi, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ça peut me faire qu'il me suffit de dire un mot à Manuel. Pour qu'il aille trouver votre belle famille et lui raconte certaines choses. Alors, vous allez me répondre. Manuel était avec vous le soir de la mort de Mercedes. À quelle heure? Il m'attendait dans la grande allée un peu après 9h. Il voulait absolument voir sa sœur, Madame Mercedes, quoi. Oui. Je n'ai pas voulu lui donner la clé de la maison. Il a fini par renoncer à son idée, enfin. Je crois qu'il est parti. Et qu'avez-vous fait après l'avoir quitté? Je suis rentrée chez mes parents. Fernand était là, mon fiancé. En permission, on a joué aux cartes, puis j'ai couché maman avec Fernand. Elle est paralysée, ma mère, vous savez. Mais votre père n'était pas là pour la coucher? Non, il était allé fumer sa pipe dans le parc, comme tous les soirs. Vous en êtes bien sûr? Au fait, non. Je crois qu'il était simplement sorti de la pièce au moment où nous avons couché maman. Oui. En sorte que personne n'a pu savoir ce qui arrivait à Madame Galtier dans le parc vers ce moment-là. Personne. Vous avez dû la regretter. C'était une gentille patronne pour vous. Gentille? Un peu toquée, oui, avec toutes les histoires qu'elle me racontait. Comme quoi elle était la fille naturelle d'un grand d'Espagne, tenez. Vous vous rendez compte, la beauté des échelles. Et puis... il y avait son bon ami. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien oui, quoi, son bon ami. Vous voulez un dessin? Il était souvent absent, Philippe, alors. Ah, vous ne le saviez pas? Eh bien, vous voyez, je vous aurais au moins appris une chose. Un vieux chauve avec un grand nez et une petite moustache. Mais un vrai noble, lui, s'il vous plaît. Un comte. Comment étiez-vous au courant? C'est moi qui faisais leur petite commission. Elle me donnait de l'argent pour ça, mais elle me disait qu'elle me tuerait si je parlais. Et je suis sûre qu'elle l'aurait fait. Mais elle voyait cet ami où et quand? Monsieur le comte venait quelquefois à la Hortille, sans se cacher, en visiteur. Monsieur Philippe le connaissait bien, figurez-vous.
Ah, quand elle sortait, là, ça, je ne sais pas où elle allait. Oh, et puis je vous en ai assez dit, et même trop. Mercedes est morte, bien sûr, mais l'autre n'y est pas. Alors, bonsoir. Faut pas vous frapper comme ça parce que M. Philippe vous a envoyé ce télégramme, Mademoiselle Michel. Enfin, qu'est-ce qu'il vous disait dedans? Eh bien, Mme Galtier doit aller consulter un spécialiste demain. Son fils l'accompagne, naturellement. Non, mais c'est pas la première fois qu'elle y va. Si vous restez là un moment, mademoiselle, j'irais bien faire un brin de causette avec la mère Iberna. Son mari est à la chasse et elle est toute seule, la pauvre femme. Oui, 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 allez-y, bien sûr. Philippe m'a demandé de chercher des papiers que je dois porter à sa secrétaire. J'en aurai sûrement pour quelque temps. Bah, alors, à tout à l'heure, mademoiselle. Voilà le veston gris de Philippe. Là, et dedans, son carnet, c'est ça. Voilà. Cette porte, c'est celle de la chambre de Mercedes. Clotilde m'a dit qu'on y avait rassemblé toutes ses affaires. Et qu'on n'y fait même pas le ménage depuis. Oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, cette chambre. Avec ses madones espagnoles dans des cadres en forme de niche. Ses cierges à demi brûlés. Accumulation de vibrance. Ses robes étalées sur le lit. C'est là qu'elle s'est couchée une dernière fois avant de se relever pour aller au-devant de sa mort, dans le parc. Oh. Oh. Qu'est-ce qui m'a fait trébucher? Oh. Il y a quelque chose sous la moquette. Il y a une clé. Une petite clé. Celle de cette commode, peut-être. Oh, je ne devrais pas. Une grammaire, un dictionnaire, des exercices de français, le nouveau savoir-vivre, des cartes, des tarots, un manuel d'astrologie. Facture. Tiens, et ce paquet là? Les enveloppes ne sont pas timbrées. Oh. Oh. Ma princesse bien-aimée. Oui, j'ai été très malheureux de ne pas vous trouver mardi et de plus horriblement jaloux. J'ai bien l'âge de l'être, n'est-ce pas? Je me reproche souvent d'être un vieil imbécile. Mais je n'y puis rien. Je viendrai demain à l'ordi. Je vous baise les mains. Oh, c'est pas daté et la signature est une simple initiale. H. Ah, tiens, une photo d'homme. Ce doit être le mystérieux H, le bon ami de Mercedes, comme dit Francine. Oh, oui. La soixantaine, chauve, un long nez, une petite moustache grise. Un air qui me rappelle quelqu'un. Oh, qui est-ce? Ça, il faut que je trouve un moyen de le savoir. Ah, une idée. À la partie de Romani d'Alice Filotto, ce soir, toutes ces dames de Caritas seront là. Oh,
Oh. François, tu veux m'aider à mettre un peu d'ordre dans le salon? Non, laissez, monsieur François, je vais... Mais non, mademoiselle Michel, il faut bien que je me rende utile. Laissez faire mon frère, mon petit chat. Vous ne m'avez pas paru tout à fait dans votre assiette ce soir. Pendant toute la partie de Romagne, vous étiez d'une distraction. Ah, tiens, on a laissé tomber une carte sur la table. Ah, non, ce n'est pas une carte, c'est une photo. Oh, par exemple, regarde Alice, c'est une photo de monsieur de Jansac. Eh oui, c'est curieux. Est-ce qu'elle peut bien sortir, cette photo? Et qui est ce monsieur? Le comte Hervé de Jansac est le frère de madame Vautrenal. Ah oui, celle-ci a dérogé en se mariant. Mais qui donc peut bien avoir perdu cette photo ici? Ah, une de nos visiteuses, bien sûr, mais laquelle? La bonne amie de monsieur de Jansac. Non, du pas petit. Monsieur de Jansac est un homme très sérieux, il vit avec sa sœur. Je ne l'ai jamais rencontré chez madame Vautrenal. Oui, il est un peu ours. Il s'enferme quand elle a une visite, il ne sort jamais. Oui, il travaille à un livre sur les origines gallo-romaines de Chazel. C'est très intéressant. Oui. Moins que l'origine de cette photo. Oh, c'est très simple. Demain, je passerai chez madame Vautrenal et je la lui remettrai. Et elle saura bien me dire d'où elle vient. Ah, je ne m'avais pas attendu pour vous mettre à table. Ah. Mademoiselle Bert repense au service à 2 heures et moi je... Non, vous avez bien fait. Tu sais, François, je me demande si après tout tu n'avais pas raison en parlant d'une bonne amie d'Hervé de Jansac. Oh. Je les ai trouvés à table tous les deux, sa sœur et lui. Ouais, ils prennent leur repas, leur ancienne, si bien qu'il n'a pas pu m'éviter. Si tu avais vu sa tête quand je lui ai montré la photo, il est devenu tout blanc. Il a fallu que je lui nomme toutes les personnes qui étaient ici hier, à la partie de Romagny. Mmh. Il voulait absolument qu'il y ait eu quelqu'un d'autre, ou plutôt quelqu'une. Ah. Et madame Vautrenal? Oh, elle cherchait à calmer son frère. Mmh. C'est rien, mon pauvre Hervé, tu auras perdu cette photographie par hasard, quelqu'un l'aura trouvée, c'est tout. Mais... au fond, je la voyais assez contrariée. Elle a eu tort de faire la discrète avec moi. Oh, à propos, Michel, la prochaine réunion de Caritas a lieu chez elle, chez madame Vautrenal, jeudi soir. Quel temps! Venez, mademoiselle Filotto, je vous ramène en voiture avec Michel. Oh non, je ne voudrais pas déranger vos amoureux. Mais si, la pluie est glacée. Ah oui, allez, monte. Mais dans le fond, alors. Je laisse le siège de devant à Michel. Vous savez, Michel, j'ai proposé à ma mère de revenir à la Hortie. Elle hésite. Je ne vois qu'une chose qui pourrait la décider. Ou plutôt qu'une personne. Est-ce que vous voudriez venir avec moi dimanche prochain à Bordeaux pour faire la connaissance de maman? Bien sûr, Philippe. Qu'est-ce que vous avez, ma petite Michel? Vous frissonnez? J'ai du grand froid. Heureusement que madame Vautrenal a eu la bonne idée de servir des grogues. Vous n'êtes pas bien. Vous pouvez compter sur moi pour la soigner énergiquement, monsieur Galtier. Sur moi et sur mon frère, s'il en est besoin. Ah, après tout, François est pharmacien, ou presque. Comment ça va-t-il? Mieux qu'hier soir, hein? On se réveille. Oh mon Dieu. Mon Dieu, il est midi passé, j'ai juste le temps. Il n'est pas question que vous vous leviez. Vous allez passer la journée au lit, je vous apporterai une infusion. Oh, j'ai jamais beaucoup aimé les tisanes. C'est moins dangereux qu'un grog. Michel, je ne peux pas vous le cacher. Ces nausées que vous avez eues hier soir en rentrant de chez madame Vautrenal. Ça nous a paru bizarre à François et à moi. François a fait une analyse ce matin à la pharmacie. Oh, une analyse? Pour une simple indigestion provoquée par un grog? Je ne sais pas si c'était dans le grog, ma petite fille, mais l'analyse est formelle. Il y avait du poison dans ce que vous avez rendu. C'est impossible. Impossible ou non, c'est un fait. Enfin, vous en êtes débarrassé. Une bonne journée de repos, votre malaise sera passé. J'ai prévenu la poste que vous étiez souffrante, mais à l'avenir, il faudra être très prudente. Et il ne faudra pas parler de cela à Philippe. Oh, bien entendu, mon petit. Votre fiancé voudrait peut-être aller trouver la police et ça n'arrangerait pas les choses.
maman. Je suis heureux de vous présenter Michel. Oui, oui, oui. Laisse-nous, veux-tu, Philippe? Oui. Approchez que je vous vois. J'avais votre photo. Une photo cache plus de choses qu'elle n'en révèle. Mais il suffit de voir les gens pour les connaître. Maintenant, je vous connais. Bonjour, Michel. Voulez-vous m'embrasser? Oh, de grand cœur, madame. Le premier mariage de Philippe a été une erreur. Oui, croyez-moi lorsque je vous dis qu'avant vous, il n'y a vraiment eu personne dans sa vie. Oh, madame. Oui, nous ne parlerons plus de cela, n'est-ce pas? Philippe? Maman? Penses-tu que 15 jours suffiront à Clotilde pour préparer ma chambre à la Hortille? Oh. Vous pourriez venir me chercher pour pas. Bonjour, mademoiselle Berne. Manuel Falcandel, comme voulez-vous. Causez. Je n'ai rien à vous dire. Non, c'est moi qui ai à vous parler. À vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien et qui était dans le secteur de la Hortie, le soir où la beauté est morte. Une bien brave personne. Un des charitables piliers de Caritas. Vous ne devinez pas, non? C'était chère mademoiselle Philotto. Vous mentez. Qu'aurait-elle fait là? Cette gourde de Francine Hibernat lui avait fait des confidences à propos de l'amoureux d'Ecati de Mercedes. Elle est laissée pour compte. Ça s'intéresse toujours aux amours coupables d'autrui. La bonne Alice se mettait de temps à autre en embuscade pour surprendre le péché. Vous l'avez vue à la Hortie ce soir? Je pourrais vous répondre que oui. Mais ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un m'a renseigné. Qui? Vous allez me dire qui? Cherchez et vous trouverez, chère mademoiselle Berle. Eh bien, mère, êtes-vous heureuse d'avoir retrouvé la Hortie? Très heureuse, Philippe. Mais je dois avouer que cette première journée m'a un peu fatiguée. Ah, je vais vous laisser, madame. Je vous raccompagne, Michel. Non, Philippe, non, restez auprès de votre maman. Mais il est 10 heures passées. Je m'en ai pas long, c'est pas la première fois que je le fais de nuit. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma petite fille. Bonsoir, Philippe. Non, mais... Restez, je vous en prie. Je sauve. Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Michel, qu'est-ce que vous faites là à terre? Vous êtes souffrante? C'est vous, monsieur François? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous avez? J'étais attaquée. Attaquée par qui? Je ne sais pas. Un homme, il a sauté dessus dès que je suis sortie du parc. Il ne vous a pas fait de mal? Non. Je me suis défendue, j'ai griffé au visage. Et puis, il est parti. Oh là là, je voudrais une fière chandelle si vous n'étiez pas arrivé. Je serais restée là. Il a cherché à m'étrangler, vous savez. Oh là là. Comment se fait-il que vous soyez là? Alice et moi, nous nous sommes inquiétés de ne pas vous voir rentrer à 9h30. Je suis venu à votre rencontre. Oh. Heureusement. Oui. Vous sentez-vous mieux? Oui, un peu, oui. Pouvez-vous marcher? Ou voulez-vous que nous demandions à M. Galtier de vous reconduire en auto? Oh non. Non, ça, faut rien dire, Philippe. Non, je me sens bien maintenant. Allez, rentrons. Attends-moi 25 francs, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah. On m'a dit que vous êtes passé ce matin aux échelles, que vous vouliez me voir d'urgence. Qu'est-ce que vous avez à me dévisager comme ça? Je regarde si vous n'avez pas de coup de griffe sur la figure. Ça vous déçoit que je n'en ai pas? Et si j'en avais?
Vous aviez quelque chose à me dire? Oui. Simplement ceci. Si on apprend que j'ai été attaquée, et s'il m'arrive de l'être à nouveau, on pensera peut-être que vous y êtes pour quelque chose. Parce que vous avez été attaquée. Première nouvelle. Et vous m'avez tout de suite soupçonné. Bien aimable. Écoutez, je vais vous donner un bon tuyau. Au lieu de vous braquer sur moi, allez donc faire la causette avec cette vieille taupe de votre nalle. Elle sait plus de choses qu'à n'importe qui. Elle consentira peut-être à vous les dire, et vous à me ficher la paix. Ce sont des choses que je n'aime pas à remuer, mademoiselle Berle. Des secrets qui ne mettent pas en cause que moi. Sachez seulement qu'à un moment, ce Manuel a cru pouvoir me faire chanter à propos de ces secrets-là. Manuel? Oui. Pour protéger quelqu'un qui m'est cher, j'ai dû composer avec ce triste personnage. Je comprends maintenant pourquoi il est revenu me trouver ces jours derniers, alors que je croyais être définitivement débarrassée de lui. Il craignait que vous le suspectiez d'avoir tué sa sœur, sachant qu'il était à l'ortie le soir de sa mort. Vous avez bien fait de vous confier à moi, mon enfant. L'agression d'hier ne se renouvellera pas. Je ferai ce qu'il faut pour ça. Faites-moi confiance. Et ne vous tracassez plus pour rien. Pour rien, vous m'entendez? Mercedes Galthié est morte de mort naturelle. Voilà la vérité. Méfiez-vous de tous ceux qui voudront insinuer le contraire. De tous, même des plus sympathiques, et très spécialement des vieilles filles bavardes. C'est vous, mademoiselle Michel. Entrez, entrez vite, venez. Ce pauvre monsieur Philippe. Qu'y a-t-il donc? Il est dans le petit salon. Venez, venez. Philippe! Mais non, un petit malaise. Philippe, Michel doit savoir la vérité. On a essayé de l'étrangler. Comment ça? Non, je venais de rentrer ma voiture au garage. J'en étais à peine sorti qu'un homme m'a sauté dessus. Il était plus fort que moi, il me serrait le cou, j'ai pu le frapper au visage avec la grosse clé du garage. Il a lâché, j'ai appelé à l'aide, il a aussitôt détalé. Je me suis lancé derrière lui en courant. Il n'aurait pas dû. Et un coup de feu a claqué tout près de moi. J'ai eu peur, je l'avoue. Je me suis plaqué derrière un tronc. Mon bonhomme en a profité pour filer. Oh. C'est de ma faute. Me voyant, Bernard. Mais en entendant M. Philippe crier, je suis sorti de chez moi avec mon fusil. J'ai couru dans la direction du bruit de la poursuite. La détente a dû se prendre dans une branche. Le coup est parti. Oh, quand je pense que j'aurais pu atteindre M. Philippe. Mon pauvre enfant, mon pauvre enfant. Allons, maman, non, calmez-vous, vous allez vous donner une crise. Vous savez ce qu'a dit le cardiologue. Oui, mais il ne s'agit pas de moi, mais de toi, mais... Philippe. Je ne vivrai plus si je sais que quelqu'un veut t'assassiner. Il faut prévenir la police. Je téléphonerai aux gendarmes demain matin. Ah, ça fait rien. C'est bête de l'avoir raté comme ça par ma faute, ce malfaisant. J'ai oublié une commission importante. Il faut absolument que je retourne chez mademoiselle Filotto. Michel, c'est de la folie. Vous voulez qu'on vous attaque, vous aussi? Vous allez passer la nuit ici. Je reviendrai, je vous le promets, mais il faut absolument que j'y aille tout de suite. Je vous en prie. Mais c'est donc si important que ça. Eh bien, Iberna vous accompagnera avec son fusil. Oui, ainsi, oui. Vous ne craindrez rien. Et nous, ici, en vous attendant, nous ne serons pas inquiets à votre sujet. N'est-ce pas, Iberna? Mais oui, c'est plus prudent. Madame a raison. C'est vous, ma petite Michel. Vous n'avez pas mis longtemps, c'est bien. J'aime pas vous savoir dehors la nuit. Où est votre frère? Je vous ai entendu, excusez-moi, je suis en robe de chambre. Ce n'est plus la peine de jouer la comédie, croyez-moi. Vous aurez à répondre de vos actes devant la justice. La justice? Vous n'allez pas faire ça, Michel. On ne peut pas, pour une simple lettre. Quelle lettre? Non. La lettre anonyme. Le vieillard qui me manifestait sa sympathie. C'était vous aussi. Oh, j'y avais pas pensé. Je vous remercie de me l'apprendre. Mais ce n'est rien à côté du reste.
Quel reste? Demandez à votre frère. Qu'est-ce que tu as fait, François? Moi? Rien. François n'est pas allé à ses réunions de ce soir. Il est allé à la Hortille. Et il a essayé d'étrangler Philippe. Moi? Mais ce n'est pas vrai, Alice. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Vous l'ignoriez, Alice. Oh. Alors chacun travaille de son côté. L'une écrit la lettre anonyme, l'autre attaque les gens et on se fait des cachotteries. Alice, c'est vous qui m'avez empoisonnée. Oh. Alice. Comment? Ce poison pour les souris et les cafards que je n'ai plus trouvé dans l'armoire en pharmacie? C'est moi qui l'ai pris, oui. Mais je n'ai pas empoisonné Michel. J'en ai mis après dans ce qu'elle avait vomi. Après, tu m'entends? Après. Avais-tu une indigestion banale? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Oui, pourquoi? 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 Parce que vous alliez partir. Parce que je ne voulais pas. Après votre départ, j'allais rester seule une fois de plus, toute seule. Tu ne comptes pas mon propre François, tu comprends bien ce que je veux dire. J'ai voulu l'inquiéter, elle et son Philippe qui me la prenait. J'ai mis ce poison dans la cuvette et je t'ai incité à faire l'analyse. C'est tout, je le jure. Oh. Mais alors lui, François, enfin, pourquoi a-t-il attaqué Philippe? Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Je vous avais suivi, oui. J'avais peur pour vous. Peur qu'on vous attaque à nouveau comme l'autre soir. Parce que... Quoi? Parce que... Oh, c'est... Parce que... Oh, mon pauvre François. Je vous croirais presque. Mais vous, Alice, enfin, la lettre anonyme, pourquoi l'avoir écrite? Vous étiez à la Hortille le soir de la mort de Mercedes. Ah oui, j'y étais. Ah, mais il n'y avait pas que moi. Ah non, votre Philippe qui était censé se trouver à Bordeaux. Allez donc lui demander ce qu'il faisait ce soir-là à 11h dans le parc. Non, non. Mon pauvre petit. Il faut me le dire, Philippe. Philippe, je dois savoir. Vous étiez ici à la Hortie quand votre femme a eu son accident. Oh. Il est... C'était donc vous. Michel. Michel. Vous pleurez? Mais que se passe-t-il? Rien, madame. Rien. Bonsoir, monsieur Bernard. Bonsoir, mademoiselle Verne. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais vous n'êtes pas seule. Ce n'est pas votre femme qui vient de sortir en marchant. Oh. Puisque vous l'avez entendu, autant vous le dire. C'est Fernand Malvy, mon gendre. Ah. Francine n'a pas pu s'empêcher de lui raconter que vous lui aviez posé des questions au sujet de l'accident de madame Mercedes. Je viens de tout apprendre. Oh ben, après tout, ça vaut mieux que vous sachiez. Pour vous expliquer, Fernand, il était là, lui aussi, le fameux soir. Et il a vu ce qui s'est passé. Il avait promis de se taire comme nous, mais... Il a eu peur que vous fassiez ressortir les choses avec vos questions, que nous soyons accusés, je sais pas moi, de complicité, lui avec. Alors il vous a attaqué. Ah. C'était dans lui. Je lui ai fait la leçon et il m'avait promis de se tenir tranquille. Mais il a quand même fallu qu'il aille sauter sur M. Philippe comme un abruti qu'il est. Oh, dites, mademoiselle, vous n'allez pas porter plainte. Je vous jure qu'il ne vous fera plus de mal, ni à vous ni à M. Philippe. Je lui réglerai plutôt son compte moi-même. Non, je ne dirai rien. Pleurez, mon petit. Pleurez.
Ça fait du bien. Il faut m'excuser, madame Vautrenal, si je suis venue chez vous si tard. Mais non. Et vous comprenez, je ne savais plus où aller. Je ne pouvais plus retourner chez les Filotos, ni à la Hortille après. Après que Philippe m'ait tout avoué. Que vous a-t-il dit exactement? Il n'a pas nié qu'il était là le soir de l'accident. Et vous en avez déduit que c'était lui qui avait tué Mercedes? Mais c'est absurde, mais vous n'avez rien compris du tout. Ce n'est pas Philippe qui a tué Mercedes, c'est Juliette, sa mère. Comment sa mère? Je crois qu'il vaut mieux vous raconter les choses depuis le commencement. Voyez-vous, Mercedes, elle n'était pas... Oui, je sais, c'est moi qui ai trouvé dans ses affaires la photo que mademoiselle Filotto vous a rapportée. C'était vous? Oui. Et moi qui ai trouvé une manœuvre de la pauvre Alice. Et qui, pour lui faire peur, ait révélé à Manuel qu'elle était à la Hortille le soir de l'accident. Mais comment? Car cette mort a bien été un accident. Manuel Falcandel avait mis la main, probablement par l'intermédiaire de Francine et Bernard, sur une lettre de mon frère Hervé. Il est venu le faire chanter. Oh, mon Dieu. J'ai dit vertement à Hervé ce que je pensais de sa conduite, sans prendre garde que Juliette était dans la pièce à côté. Oh, Madame Galtier, ici, à oui, Chazay. Oui. Elle ne mettait plus les pieds à la Hortille, mais elle venait de temps en temps à Chazay, chez moi, pour passer une journée avec son fils. Philippe, ces jours-là, feignait d'aller à Bordeaux. Juliette a donc entendu mon algarade avec Hervé. Oui. Elle a couru à la Hortille. Elle a eu avec sa brune une explication violente. Elle l'a bousculée. Mercedes est tombée dans l'escalier de pierre. Nous avons mis en scène l'accident de la passerelle avec l'aide d'Hiberna. En ramenant Juliette chez moi, j'ai vu une ombre qui s'éloignait du parc. J'ai reconnu Alice Filotto. Oh, mais alors Manuel, quel rôle a-t-il joué dans tout ça? Manuel est assez intelligent pour n'avoir pas ajouté foi à la version officielle de l'accident, sans toutefois percer exactement la vérité. Quand il est revenu me trouver ces jours derniers, pour qu'il se tienne tranquille, je lui ai révélé que je savais qu'à Montauban, il trafiquait des voitures volées. Oui, j'ai là-bas un vieil ami qui m'avait renseigné. Quand j'ai cru que c'était lui qui vous avait attaqué, j'ai prévenu la gendarmerie pour Montauban. Il a été arrêté ce matin. Oh, je ne savais pas. J'ai hâte de savoir comment ma pauvre Juliette a subi toutes ces émotions. Mon téléphone est en dérangement depuis hier. Voulez-vous que nous fassions ensemble un saut à la Hortille? Oh oui, oh oui, madame, il faut que je parle à Philippe. Michel, ma mère est morte. Son cœur a lâché. Beauté des échelles, ce film radiophonique de Roger Richard, d'après un roman de René Lemaire, avait pour interprète Madeleine Barbulet, Lisette Lemaire, Hélène Dieudonné, André Tinsy, Pierre Olivier, Mon Corbier,
Pierre Constant, Marie-Jeanne Gardien, Charlotte Clasis et Charles Charras. L'Anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent « Faits divers », une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle dramatique d'Yves Jamiac, La chasse aux rats, et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Jacques Thébault, Nelly Delmas et Jean Mauvais dans une nouvelle dramatique d'Yves Jamiac, La chasse aux rats. Oh, bonjour, monsieur le professeur. Vous n'étiez pas à mon cours cet après-midi, Ollier? Non, monsieur. Pourquoi? J'ai besoin de me reposer. Ah. Écoutez, Ollier, il n'est pas dans les habitudes d'un professeur d'inviter ses élèves à prendre un verre, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Alors, si ça ne vous ennuie pas. Oh, mais non, monsieur. Eh bien, entrons ici. Regardez, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez donc! Le rat et le prof de philo qui trinquent ensemble. Oh bah dis donc, comme lèche, on fait pas mieux. Moi je vous dis qu'il va moucharder. Mais s'il fait ça, je vous jure qu'il sera jamais assez riche pour le payer. N'ayons l'air de rien voir. T'as raison. Oui, je voudrais provisoirement interrompre mes études. Pourquoi? Oh, des raisons personnelles. Mais qu'appelez-vous provisoirement? Je ne sais pas encore. Ne serait-ce pas par hasard le temps qu'il faut à certains visages pour s'effacer de votre promotion? Que voulez-vous dire, monsieur le professeur? Alors, je vous en prie, Olivier. Hier, vous avez été victime de sévices de la part de vos camarades. Pourquoi? Pour rire. Pour rire? Eh ben, on a l'air de rire souvent, dites donc. Oui, quand on chahute, ce sont des choses qui arrivent. Hier, c'était plus grave. On vous a emporté évanoui. Ça aussi, ça arrive. Bon, alors, d'accord, vous êtes magnanime, Rullier. Ce fait admis, voyons les choses en face, hein?
Y a-t-il réellement aucun rapport entre le fait que vous interrompiez vos études et ces chahuts dont vous faites les frais ? À aucun, monsieur le professeur. Vous mentez. Je ne saisis pas très bien le point d'honneur que vous défendez en couvrant les agissements d'une poignée de cancres. Mais ce que je puis vous dire, c'est que ça ne rend service à personne. Ils vous ont pris pour tête de Turc aujourd'hui. Demain, ils en prendront d'autres. Ça m'étonnerait. Que voulez-vous dire ? Regardez-moi, monsieur le professeur. Croyez-vous qu'ils trouveront souvent une gueule comme la mienne ? Oh. Depuis que je suis haut comme ça, j'ai toujours vu les copains avoir peur de moi. Quand j'étais gosse, ils me fuyaient. Aujourd'hui, ils me tapent dessus. Ils m'en veulent de leur peur. Ils se vengent, c'est normal. À 20 ans, on est vexé d'avoir peur. Ça fait mauvais effet sur les filles. Alors on préfère avoir l'air cruel. Qui ? Oh, n'importe qui. Aujourd'hui, les uns, demain, les autres. Donnez-moi des noms, Rullier. Des noms ? Pourquoi faire ? Laissez-moi au moins cette revanche d'avoir pitié d'eux. Ils ont si peur de moi. Je suis leur obsession. Tenez, pendant le cours, je suis assis tout en haut de l'amphi, tout seul. Et je les vois qui se retournent de temps en temps vers moi. Comme si de tout là-haut, je pesais sur leur échine. Vous me demandez des noms, monsieur le professeur. Le seul que je puisse vous donner, c'est le mien. Je suis le seul élément de trouble, le seul responsable de toutes ces histoires. Alors c'est moi qui dois partir. Avant de nous quitter, messieurs, je vous rappelle que l'interrogation de demain portera sur le sujet suivant. Influence du rationalisme empirique de Locke sur les philosophes français du XVIIIe siècle. Je signale que j'attache beaucoup d'importance à cette interrogation et qu'en conséquence, elle sera déterminante pour certains d'entre vous. Vous pouvez disposer. Rochard. Vous m'appelez, monsieur ? Oui. Je tiens à vous prévenir particulièrement. Vu le peu d'intérêt que vous paraissez prendre à mes cours, l'interrogation de demain décidera du maintien de votre présence parmi nous. Ça, monsieur, c'est encore à voir. C'est tout vu. Et j'ajoute que votre insolence vous sera comptée. Ah, c'est ça, du parti pris. Ben, ça tombe bien. Ce soir, il y a un ministre qui dîne à la maison, alors j'aurai de quoi entretenir la conversation. Vous êtes un pauvre type, mon char. Un pauvre petit salaud sans aucune importance. Demain, vous aurez sûrement zéro. Et je demanderai votre exclusion au conseil de discipline. Eh ben, faites-moi confiance, ça fera du bruit, ça, et puis... Fichez-moi le camp. Oh, ouais, fichez-moi monsieur... le camp ou je vous calote devant tout le monde. Allez ! C'est bien fait pour sa pomme. T'as vu le dangement ? Une larme ! Ouais, ça se croit tout permis parce que ça vient au cours en Jaguar. N'empêche qu'il a des relations et que la partie n'est pas encore jouée. Hein. Bouchard. Ouais, quoi ? T'as une minute ? J'ai quelque chose à te dire. À moi ? Ouais, d'accord, mais devant un glace, j'ai soif. Hein. Viens, je te paye un scotch. Un scotch ? Oui, monsieur. Deux scotchs. Alors, Gouvier, t'as quelque chose à me dire ? Ouais, au sujet de ce qui vient d'arriver avec le prof. Ouais, t'en fais pas, je m'arrangerai. Oui, bien sûr. Mais quand même, vaut toujours mieux savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça n'a peut-être aucun rapport, mais quand même, c'est curieux. Bien parle, quoi. Tu savais que Rullier avait été se plaindre ? Quand ça ? Hier. Sans blague ? Ouais, on l'a vu ici même dans ce café en train de trinquer avec le prof. Oh, bon. Oh, bah, ça éclaire la lanterne, tout ça. Il a mouchardé, le salaud. Ah bah, remarque, j'en sais rien, moi, je sais pas ce qu'il a pu dire. Tu parles. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre ? Ah, je comprends maintenant pourquoi on ne l'a pas revu depuis hier. Le rat est rentré dans son trou. Ça ne fait rien. Plus il se cachera, plus ça sera drôle. Eh ben, dites-moi, les gars, on n'a pas l'air de s'ennuyer, hein. C'est une nouvelle histoire. Tu veux qu'on te la raconte ? Et comment ? J'en fais collection. Alors assieds-toi, voilà. Tu veux un scotch ? Oui, oui, vas-y. Oui. Un scotch ! C'est une histoire de chasse au rat. Hey,
priorité. Trois personnes seulement. 55, voilà. Pas avant. 56, voilà, voilà. 57, ouais. Complet. Deux tickets. Mademoiselle. Voilà. Merci. Place, s'il vous plaît. Ollier, c'est vous ? Oui, pourquoi ? Ne me regardez pas. Ils n'ont pas l'air de me connaître. Je vous ai suivi pour vous prévenir. Il y a des types de la fac qui vous recherchent. Moi, pourquoi ? À cause de Brouchard. Brouchard ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ils disent que vous l'avez mouchardé chez le recteur. Moi ? Taisez-vous. Mais enfin, c'est pas vrai, jamais je n'ai... Ça va, gardez votre salive. Moi, ça m'est égal. Je vous préviens seulement que si demain il est flanqué à la porte, vous auriez intérêt à jouer les courants d'air. Mais c'est pas possible. Non. Je descends à la prochaine, alors écoutez-moi. Pour l'instant, ça va encore. C'est demain que ça doit se décider. Alors trouvez-vous demain soir à 6h chez Job, rue de Seine. Vous connaissez ? Oui. Bon, je vous téléphonerai pour vous donner les nouvelles. Oui, du bac. Alors, laissez descendre, s'il vous plaît. Priorité, une place seulement. 72, pas avant. 70. Complet. C'est donc en cela que certaines idées voltairiennes concernant la théorie des sensations peuvent être considérées comme provenant directement des empiristes anglais. Et il n'est pas exagéré de dire qu'elles devaient trouver leur couronnement dans la philosophie d'un autre empiriste, Condillac. Je vous remercie. Monsieur Brouchard. Voilà. Pressez-vous, monsieur Brouchard, nous ne sommes pas ici pour applaudir une vedette. Oui, on sait bien, c'est la curée qui vous intéresse. Détrompez-vous, rien n'est prévu. Tout sera fait selon les règles. Les sujets sont sur la table. Tirez au sort, monsieur Brouchard. Voilà. Lisez-vous-même. Influence de Voltaire sur Frédéric le Grand. En somme, une question pour le roi de Prusse. Je vous écoute, monsieur Brouchard. Bah. Monsieur Rullier. Oui. On vous demande au téléphone. Merci, j'y vais. Allô ? Brouchard est renvoyé. Cette fois, vaut mieux vous planquer. Je crois qu'il va y avoir une réunion à votre sujet, chez Capoulade. Je sais pas ce qu'ils décideront, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous téléphoner ce soir vers 8h au même endroit. D'accord ? Oui. Allô ? Je veux savoir votre nom. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Dites-moi au moins ce qui vous pousse à faire ça pour moi. J'aime pas les chats mouillés. Quand il pleut, je les mets à l'abri. Allô ? Allô ? Ah, nom de Dieu. La pitié, c'est aussi froid que la haine. Alors comme ça, personne ne sait où il se trouve. Si, moi je le sais. Il loge dans un hôtel rue Monsieur le Prince. On peut tout de même pas aller le cueillir dans sa piole, non ? Pourquoi pas ? Tu te rends compte du scandale ? Non, il vaudrait mieux attendre en bas qu'il y entre ou qu'il en sorte. Bon, admettons qu'on le tienne. Et alors ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette méduse ? Vous me l'amenez, je me charge du reste. Mais doucement ! C'est justement le reste qui m'inquiète, moi. Parce que tout de même, quand on te l'aura amené, on aura déjà joliment trempé dans la sauce. Et je vous dis que le reste, c'est une affaire entre lui et moi. Ceux qui s'inquiètent de l'avenir d'un mouchard n'ont qu'à laisser tomber. Vous entendez ? Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus, les gars. Parce qu'un mouchard, ça n'a pas d'avenir. Minute, tu permets ? Moi, je suis comme Roger, je veux savoir exactement jusqu'où tu veux aller. Ouais. Quand on part à la chasse, ce genre de questions-là ne se pose même pas. Bon, alors merci, très peu pour moi. Alors fous le camp ! Et que tous ceux qui se dégonflent profitent du convoi. Moi, je préviens les dégonfleurs qu'ils ont intérêt à se montrer discrets. Quand on fait le ménage, un coup de plumeau de plus ou de moins, ça ne compte pas. Bon, alors continuons.
Tu disais donc qu'il loge dans un hôtel de la rue Monsieur le Prince ? Allô ? Rullier ? Oui ? Leur réunion vient de se terminer. Et alors ? Alors, je crois que sur le marché des pots, la vôtre est singulièrement dévaluée. Que voulez-vous dire ? Je vais vous expliquer ça en deux mots. Ils ont décidé de vous tuer. Qui ça, ils ? Brochard et quatre ou cinq de ses supporters. Mais enfin, c'est insensé. Je n'ai rien fait contre lui, c'est absolument faux. Je vous conseille pas d'aller lui dire. Planquez-vous. Surtout, ne retournez pas à votre hôtel, ils connaissent votre adresse. Mais où voulez-vous que j'aille ? Je ne peux pourtant pas me faire escorter d'un flic à chaque fois que je mettrai le pied dans la rue. D'abord, la police me prendrait pour un dingue. Écoutez, mon vieux, moi je vous renseigne. Pour le restant, débrouillez-vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas retourner à votre hôtel. Allô ? Ne coupez pas, je vous en prie. Je suis tout seul dans Paris. Je n'ai nulle part où aller. J'ai mes affaires, mon fric, mes vêtements, enfin tout dans ma chambre d'hôtel. Je suis bien obligé d'y retourner. Écoutez, je vais essayer de vous aider. Téléphonez à votre hôtel. Inventez n'importe quoi. Racontez-leur que vous êtes obligé de partir d'urgence. Enfin, je sais pas, moi, arrangez ça. Dites-leur qu'ils remettent vos bagages à mademoiselle Lucienne Chanzal, qui paiera votre note. Lucienne Chanzal, c'est votre nom ? Oui. Je vous apporterai vos affaires, disons, demain matin vers 11h à la gare Saint-Lazare, dans la salle des pas perdus. Vous savez, sous l'horloge. Oui, oui, je vois. Jusque-là, pas de blague. Débrouillez-vous pour passer la nuit dans une salle d'attente, compris ? Oui. Merci. Vous désirez, messieurs ? Monsieur Rullier, s'il vous plaît. Ah, il ne demeure plus là. Depuis quand ? Depuis aujourd'hui. Il a fait enlever ses bagages ce matin. Enlever ses bagages ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est ce que je me demande. Ça m'a paru tellement bizarre. Il n'a pas passé la nuit ici ? Non, ni la nuit, ni la journée d'hier. Et vous ne savez pas par hasard où il est parti, non ? Ça, un vrai mystère, je vous dis. Mais enfin, qui est venu prendre ses bagages ? Une jeune fille. Une jeune fille ? Rullier connaître une jeune fille, non mais dites-vous rigoler. Mais non, monsieur, je ne rigole pas. Et d'abord, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est que toutes ces questions ? Vous êtes de la police ? Bon, on en a l'air, non ? Mais alors, de quel droit venez-vous me dire que je rigole ? Ça vous regarde ? Si je rigole ou non, dites. Non, mais sans blague, je suis pas un bureau de renseignement, non ? Vous fâchez pas. Nous sommes des copains de Rullier. Oui, c'est ses meilleurs amis, là. Alors, comme nous n'avons pas non plus de ses nouvelles depuis hier matin, vous comprenez, on commençait à s'inquiéter. De toute manière, c'est comme ça, je l'ai pas revu. Il m'a seulement téléphoné hier soir qu'une jeune fille viendrait pour payer sa note et enlever ses bagages, c'est tout. Et cette jeune fille ? Elle est venue ce matin. Vous savez pas son nom, par hasard ? Bah si, bien sûr, j'ai pris son identité, vous pensez bien. Attendez, mademoiselle Lucienne Chanzal. Ta gueule ! Ça vous dit quelque chose ? Non, rien du tout, non. Eh, viens, Gouillet. Hep ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Merci quand même. Voilà vos valises. Merci. Je me demandais si vous alliez venir. Pourquoi ? Je suis en retard ? Ah non. Vous n'avez pas dormi ? Non. Bouffé non plus ? Oh, ça ne fait rien. Allez, venez. On va faire un tour au buffet de la gare. Rien de neuf depuis hier ? Non. Enfin, quoi tout de même ? Ce n'est pas vrai. Il ne me tuerait pas comme ça. Tuer, ce n'est qu'un mot. On ne tue pas comme ça un type qui n'a rien fait. Détrompez-vous, je les connais. Ce sont des petites crapules bien pourries. Pourries de fric et pourries de sales idées. Tuer un type pour eux, ça n'est qu'une aventure excitante. Être arrêté et condamné, ils s'en foutent. Ça serait leur nom dans les journaux, en première page. Encore une chose excitante. Tout ça ressemble à un cauchemar. Une saleté de cauchemar impossible. Oui, c'est plutôt moche. Vous avez la fièvre. Pourquoi ?
Je sais pas, vous tremblez. J'ai la trouille. Trouille idiote, j'en ai honte. C'est pas vous qui devez avoir honte. Oh, vous êtes une chic fille. Il y a des choses qui me dégoûtent. Je ne vous ai jamais vue à la fac. Vous êtes étudiante ? Non, les beaux-arts, je suis modèle. Tout le monde me connaît au quartier, puis je connais tout le monde. C'est une veine pour vous. Vous n'avez pas peur qu'ils apprennent ce que vous avez fait pour moi ? J'aimerais mieux pas. Dites, si je vous pose une question, vous me répondrez ? Posez toujours. Tout ce que vous avez fait, c'est par pitié. Je ne crois pas. C'est un service que je rends à Charge de Revanche. On a toujours besoin d'un service. On est tous pareils. Tous pareils ? Madame, puisqu'on vit. Je vous remercie. Bon, eh ben, je vais me sauver maintenant. Hein. Vous avez une idée de ce que vous allez faire ? Oui, j'ai repéré un hôtel près d'ici. Le Lion Bleu. Je crois que c'est là que je vais loger. Le Lion Bleu. Mmh. Retenez le nom. Mmh. On ne sait jamais si des fois vous aviez besoin de me joindre. D'accord. Mon adresse à moi, c'est 24 rue Jacob. Allez, bonne chance. Merci. Merci pour tout. Ça va, ça va. C'est pas parce qu'on est dans une gare qu'on va se mettre à fond. Ouais, salut. Que Lucienne Chazal est dans sa chambre. Attendez. Oui. Sa clé n'est pas au tableau. Bon, merci. Attends-moi là, Gouillet. D'accord. Fais vite, hein. J'espère. Oh ! C'est toi ? Bah, tu le vois bien. Oh, tu m'as fait peur. Avec ta manie de laisser ta clé sur la porte, tu finiras par avoir la visite du grand méchant loup. Oh, tu parles, je suis trop coriace. Ça dépend. Il y en a qui ont de bonnes dents. Tu voulais quelque chose ? Ah, voyons. Je ne rends pas des visites intéressées. Des fois, ce n'est que pour le plaisir. Tu tombes mal. J'ai pas envie de m'amuser. Je suis fatiguée. Ça ne m'étonne pas, ça. C'est crevant, les déménagements. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? T'as toujours eu trop bon cœur, Lucienne. Mais jusqu'à faire le déménagement des autres, alors ça, c'est de la folie. Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu veux une gifle pour t'éclaircir la mémoire ? Qu'est-ce qui te prend ? Oh, ça va, j'ai pas de temps à perdre. Elle est où, loge-t-il, maintenant ? Son adresse, vite. L'adresse de qui ? Ah, tu me prends vraiment pour une crevette. Écoute, ma jolie, je vais t'éviter de te creuser les méninges. T'as commis une erreur ce matin en donnant ton nom à l'hôtel de Relier. Alors passons à autre chose, tu veux ? Bon, d'accord, passons à autre chose. À quoi joue-t-on ? Ben, ça dépend de toi. Je veux son adresse. Non ! Comment dis-tu ? Non ! Sans blague. D'abord, je la connais pas. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que ça serait dommage pour toi. Ah, tout de même, Lucienne, non, tu te rends compte ? Une gueule comme ça. On dirait un lépreux. Mais alors ? Effacer une tranche pareille, ça ne sera une perte pour personne. Saligaud ! Saligaud que vous êtes tous ! Sale petit redresseur de rien ! Et vos gueules à vous ! Est-ce que vous vous êtes déjà regardé dans une glace ? Vous puez le vice et la lâcheté par tous les pores de votre peau ! Votre peau à vous, hein, qui la regretterait si on venait à vous la tanner ? D'abord, il t'a rien fait, t'entends rien. Si t'as été foutu à la porte de la fac, c'est parce que tu le méritais, parce que t'es un cancre. Un pauvre type qui n'a pas besoin de piston pour être éjecté de partout comme un malpropre. Toute ta vie, ça sera pareil. Et ta vie sera courte, je te le prédis. Si le point final n'est pas dans un ruisseau, il sera sur un banc de cour d'assises. C'est tout ? Bon. Elle est son adresse, maintenant. Il peut te fouiller. Ah ! Brut ! Ah ! Sortir ta réserve de petit mordou. Parce que ça ne fait que commencer. Son adresse, tu entends ? Son adresse ! Lâche-moi ! Je vais te la donner. À la bonne heure. Tiens, écoute, on va faire quelque chose de mieux. Tu vas descendre dans le hall avec moi. Jusqu'au téléphone. Et là, tu vas l'appeler. J'ai pas son numéro. Tu regarderas sur l'annuaire.
Tu vas l'appeler. Puis tu vas lui dire... Hein, Relié. J'ai besoin de vous voir. Je vous attends dans une heure. Au parc Montsouris. Près des cascades. Et s'il te demande des explications, tu lui dis que tu peux pas dire ça par téléphone. Et que c'est urgent. Et qu'il s'inquiète pas. C'est vu? Et puis n'essaye pas de me doubler, hein, ma petite. Gouvier est dehors, sur le pas de la porte. Et il va rester là. Alors, inutile de chercher à jouer les souris, ni même à téléphoner. Il voit tout de la rue. Le hall est là, pareil. Compris? Bon, alors je descends avec toi. Allô? Madame Chaume? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Chanzel? Vous pouvez me passer une communication dans ma chambre par le téléphone de service? Vous auriez plutôt fait descendre téléphoner dans le hall? Non, je ne me sens pas très bien, c'est urgent. Quel numéro voulez-vous? Trinité 12 34. Bon, attendez, quittez pas. Allô? Allô? L'hôtel du Lion Bleu. Est-ce que Monsieur Rullier est encore là, s'il vous plaît? Excusez-moi, je vais voir. En fait, c'est justement le bloc qui descend. Tiens, monsieur, c'est pour vous. Allô? Allô, Rullier? C'est moi, Lucienne. Je partais pour le parc Montsouris. Écoutez, Rullier, je ne pouvais pas vous dire tout à l'heure. Brouchard était à côté de moi. C'est lui qui m'a forcé à vous téléphoner. C'est lui qui sera au parc Montsouris. J'avais tellement peur que vous soyez déjà parti. N'y allez pas, Rullier. Il va vous avoir. Mais vous? Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi aussi, j'ai peur, Rullier. Il va revenir. De toute manière, il va revenir. Ne perdez pas une seconde. Fichez le camp de votre hôtel. Je ne veux pas. Il a mis Gouvier en sentinelle dans la rue. Il a pensé à tout, sauf que je pouvais demander une communication depuis ma chambre. Rullier! Qu'y a-t-il? Il va revenir. C'est sûr! Il a perdu son revolver dans ma chambre. Il est là sur le lit, je le vois. Il va peut-être ne pas s'en apercevoir si vite. Je file au parc Montsouris, Lucienne. Non, non, Rullier, non! Non, ça vaudrait pas le coup d'avoir fait tout ça pour des clous. Il faut en finir, j'en ai marre. Je file à son rendez-vous, on verra bien ce qui arrivera. De toute manière, on sait qu'il n'est pas armé. C'est vous qui l'êtes maintenant. Restez dans votre chambre et attendez les événements. Vous êtes armé maintenant, et en cas de besoin, n'hésitez pas à tirer. Allô? Allô? Rullier! Rullier! Même sans armes, il finira par l'avoir. Alors, face de rat, on vient voir sa petite amie Lucienne? Ah, on serait plutôt exact au rendez-vous. C'est bien, ça. Seulement voilà, la petite amie Lucienne s'excuse. Oui, elle n'a pas pu venir. Elle est obligée de garder la chambre. Alors je la remplace, tu vois? Et t'as pas l'air content de me voir. Ah, moi, par contre, je suis très content, moi. Depuis le temps que je cherche à te joindre. On est bien ici. Il n'y a pas un chat. On va pouvoir s'expliquer en toute tranquillité. Oh, ce sera vite fait, ouais. Je t'ennuierai pas longtemps. Un déclic et tout sera dit. Ça m'étonnerait. Mais sans blague, la face de rat veut crâner. Attends, tu vas voir, tiens. Prends tout ton temps, Brouchard. Je ne suis pas pressé. Ah, ça, nom de Dieu, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu quelque chose? Dis, Brouchard, tu as perdu quelque chose? Ta gueule! Tu as perdu quelque chose, Brouchard? Je te dis de la fermer, t'entends? Mais tu peux fouiller tes poches. Elles sont vides. Tu entends, vide. Et nous sommes tous les deux tout seuls, avec nos mains nues. Pas une fille pour qui crâner, pas un copain pour t'aider, personne. Toi et moi, seuls. Tu crois peut-être que j'ai peur. Et moi, crois-tu que j'ai peur? Regarde, mes mains ne tremblent pas. Je suis très calme, très détendu. Et pourtant, il y a seulement une heure, je n'avais pas un poil de sec. Ah, tu peux dire que tu me l'as donné, la frousse, depuis deux jours. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, ce n'est pas seulement ma vie qui est en jeu, mais aussi celle d'une fille qui vaut la peine qu'on trouve un peu de courage pour la défendre. Et tu vois, quand on commence à trouver un peu de courage, on finit par en avoir beaucoup. Oh, ça va, ça va. Je ne suis pas venu pour entendre tes discours. Oui, je sais. Tu es venu pour me tuer. Alors, vas-y.
Finissons-en. Vas-y avec tes mains nues. Lâche, sale lâche. Lâche, foireux. Ah, si les filles te voyaient en ce moment, Brouchard. La jolie loque que tu fais. La sale baudruche dégonflée que tu fais. Mais dis quelque chose, nom de Dieu. Je t'insulte, je te crache à la figure, fais quelque chose. Mais bouge, tu vas pas te laisser baver dessus par une face de rat. Fous-moi la paix. C'est tout ce que tu trouves à dire. Et ça, hein. Et ça, hein. Alors tes réflexes, Brouchard, hein. Où sont-ils, tes réflexes? Non, mais tu vas pas foutre le camp comme ça. Un Brouchard ne fout pas le camp devant une face de rat, tout de même. Lâche-moi. Allons, Brouchard, allons, un peu de dignité, voyons. Faut pas que je puisse raconter partout que Brouchard est mort comme la dernière des lavettes. Qu'est-ce que tu veux me faire? Mais... te tuer, Brouchard. Te tuer avec mes mains nues. Mes mains nues autour de ton cou. Comme ça. Comme ça. Non, Rivière, non, écoute-moi, non. Non, je voulais seulement te faire peur. Non, je t'assure, je voulais pas te faire la peau. Non, seulement te faire peur. Je t'en prie, Olivier, je t'en prie. Pauvre type. Tu n'es qu'un pauvre type. Allez, tiens, assieds-toi là sur le banc. Bien gentiment à côté de moi. Là. Ouvre le cahier que tu as sous le bras. Allez, ouvre-le à une page blanche. Là. Sors ton stylo maintenant. Sors ton stylo, je te dis. Voilà. Maintenant, on va faire une petite dictée, tu veux? On va jouer au maître et à l'élève. Allez, je dicte, parce que bien sûr, c'est moi, le maître. Moi, Brouchard, dit le fortiche. Allez, écris. Écris ou... Non, frappe pas. Alors, écris. Moi, Lucien Brouchard, je reconnais avoir reçu une correction monumentale administrée par Jean Rullier, dit le rat. Je l'ai supplié comme un lâche. Comme un lâche. Écris. Comme un lâche. Comme un lâche de me laisser la vie sauve. Je déclare qu'il a eu pitié de moi. Pitié de moi. Écris. Pitié. Là. Et maintenant, signe bien lisiblement. Voilà. On affichera ça en bonne place au restaurant des étudiants. Tu sais? Juste en dessous du menu. Et au fond, ce sera exactement comme si tu étais mort. Ton tour de garde est terminé, Gouvier. Bon Dieu, le rat! Oui, le rat. Je te préviens que Brouchard te cherche. Il va revenir. Il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux le considérer comme mort. Quoi? Supposons que je l'ai tué. C'est pas vrai, dis. C'est pas vrai. Même que c'est déjà affiché au restaurant des étudiants. C'est pas vrai! Regarde, je monte chez Lucienne. Je vais la prévenir moi-même. Je lui dois bien ça. Brouchard reviendrait, qu'il vous avait... Mais mon Dieu, mais c'est à devenir folle. Roulier, qu'est-ce que je dois faire? Oh, ne bougez pas, surtout. Non, n'essayez pas de remuer. Je vais appeler un médecin, oui. Oui, c'est ça, je vais appeler un médecin. Non, Lucienne, ce n'est plus la peine. Mais... Non, ne partez pas. Ça ne servirait à rien. Roulier. Donnez-moi le revolver. Mais... Faites ce que je vous dis. Vite, le revolver. Dans ma main. Là, comme ça. Roulier! Au fond, tout est mieux ainsi. Ça s'arrange très bien. Très bien, j'ai eu du courage. Je suis un homme comme les autres. Grâce à vous, Lucienne. Grâce à vous, Lucienne. Oui. Dites-moi...
Dites-moi que vous n'avez pas pitié de moi. Non. Non, Julie. Je n'ai pas pitié de vous. La chasse aux rats, une nouvelle dramatique d'Yves Jamiac, avait pour interprète Jacques Thébault dans le rôle de Rullier, Jean Mauvais dans le rôle de Brouchard, Nelly Delmas, Lucienne, avec André Vard, Jacques Anquetil, Pierre Delbon, Jean Bolo, Becky Rosanès, Geneviève Morel, Valé Valdi et André Vasselet. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Noël Barbet, opérateur Charles Marié. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Entendre ce soir Kidnapping, une nouvelle radiophonique d'Yvan Noé, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Jacqueline Rivière, Jean-Claude Michel et François Vibert de la Comédie Française dans Kidnapping, une nouvelle radiophonique d'Yvan Noé. Voilà, madame, la vaisselle est rangée. Vous pouvez aller vous coucher, Catherine. J'aurais voulu descendre jusqu'au pont Magnan, madame. Ah, on y danse? Oui, madame. Mais si vous me l'aviez dit avant dîner, monsieur vous aurait descendu en voiture. Justement, il est parti de bonne heure. C'est pas la peine. Il y a à peine 20 minutes à pied. Mais faites attention en remontant. C'est désert par ici. Nous ne sommes pas à Nice et on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Que madame s'inquiète pas, mon cousin me reconduira. Il a un scooter. Ah. Mais... Mais quoi? Ça fait rien, madame, de rester seule. Monsieur rentrera peut-être tard. Ah, sûrement. Il est allé à la nuit des fleurs de Jean Lépin. Pourquoi madame n'y est-elle pas allée? J'aurais gardé la petite. Non, Catherine, je suis un peu fatiguée, je préfère rester. Et puis vous avez assez à faire pendant les vacances de Joséphine. Et puis je veux finir le petit bikini que j'ai coupé pour Martine. Parce qu'elle sera mignonne. Madame est si adorable. Oh, vous savez, une enfant, c'est facile à habiller. Oh, surtout elle. Elle est si jolie et gentille et raisonnable. On lui donnerait 4 ans. Oui, mais elle n'en a que 3. Mais dis donc, Catherine, si vous voulez danser, allez, sauvez-vous. Merci, madame. Laissez ouverte la porte du couloir. Et en passant, regardez dans sa chambre si la petite ne s'est pas découverte. Oui, madame. 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 Quoi? La petite. Mais quoi, la petite? Je ne sais pas, là. Mais vous êtes folle. Martine. 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 Sont-ils les défaits? Martine. Martine, où es-tu? Réponds. Martine. Mais voyons, Martine, c'est pas l'heure de jouer. La fenêtre est ouverte, madame. Martine! Martine! Martine, c'est pas possible! On l'a volée! Non! Non, c'est pas possible!
police. Il faut appeler la police. Je l'appelle, madame. Non, moi. Allô, la police? Monsieur, monsieur, ma petite fille a été enlevée, venez vite. Oh, il faut la retrouver. Quoi? 3 ans. Madame Pastor, avenue Pogliani à Fabron. Bon, merci. Oui. Oui, je suis seule avec la femme de chambre. Bien, nous ne touchons à rien. Oh, vite, vite! Montrez-moi la chambre de l'enfant, madame. Par ici, monsieur le commissaire. Charlie. Commissaire. Occupe-toi de l'extérieur. Mesure la hauteur de l'appui de la fenêtre au sol. Vois les traces. Sol, appui de la fenêtre, chemin. Madame. Oui. Ce chemin au fond du jardin. Il rejoint la rue qui passe devant la villa à une centaine de mètres. C'est sûrement par là qu'ils se sont enfuis. Et pourquoi dites-vous « ils » au pluriel? Je ne sais pas, je pense qu'ils sont plusieurs. Non, à première vue, il est plus probable que nous avons affaire à un homme seul. Mais s'ils avaient été deux, le second aurait remarqué que le premier perdait le drap sur la pelouse. Peut-être. Qu'est-ce qui a disparu de la literie? Une couverture bleue en laine. C'est tout? Pas de vêtements, chaussures? Non, rien. Et comment a été habillé l'enfant? En pyjama. Oh. Oh, je ne peux plus, ma petite fille, ma fille Martine. C'est ma faute. Mais non, madame, non, ce n'est la faute de personne autre que de l'individu qui a monté ce sale coup. Donc, vous ne laissez pas aller. Nous avons besoin de vous. Vous la retrouverez vite. Alors, nous ferons tout ce qu'il faudra pour cela. Enfin, ce que dès maintenant. Ben, des barrages ont été établis sur toutes les routes environnant Nice. 5 minutes après votre coup de téléphone. Toute personne ou couple accompagnée d'une petite fille de 3 à 4 ans est interpellée. Mais, ne vous désespérez pas, madame. L'enfant n'est pas en danger. Vous croyez? Le ou les ravisseurs vont très certainement chercher à vous extorquer une somme plus ou moins considérable. Aussi, pour le moment... Oh, j'ai peur. Ah oui, mais croyez-moi. Avant de payer, prévenez-moi. Et ne faites rien que d'accord avec moi. Je vous le promets. Et il est probable que vous recevrez prochainement un message. Oh mon Dieu, c'est affreux. On lit ces choses-là dans les journaux. Et ça vous arrive. Aviez-vous des ennemis, vous ou votre mari? Non, j'y ai déjà réfléchi. Nous habitons Marseille, nous avons fait construire cette villa où nous venons nous reposer 2 ou 3 fois par an. Ici, nous sommes peu connus, nous ne fréquentons personne. Oui, mais on parle. Vos domestiques, même sans penser à mal. Évidemment, mais je... Enfin, c'est possible. Il y a la jeune fille qui m'a ouvert la porte. Oui, Catherine. Puis Joséphine et Félix, un ménage que nous avons depuis 5 ou 6 ans, ils sont savoyards, alors je les envoie 15 jours chez eux quand nous sommes ici. Ils doivent revenir lundi. Voulez-vous m'inscrire là leur nom et adresse? Oui. Mais on vérifiera s'ils sont toujours en Savoie. Oh, vous pensez, Joséphine, c'est impossible. Mais tout est possible, madame Mélabs. Et tout, en tout cas, doit être vérifié. Votre situation de fortune peut-elle faire naître l'idée d'une rançon? Évidemment, nous sommes... Enfin, Henri, mon mari, dirige les usines que m'a laissées mon père. C'est une affaire très importante à Marseille. Quelle valeur environ? 300, 400 millions, je ne sais pas au juste. Vous avez des bijoux? Oui. Ma mère avait la passion des pierres, elle m'en a laissé de très belles. Vous les portez souvent? Oui. Beaucoup de personnes ont pu les voir? Ah oui. Même ici? Oui. C'est atroce de penser que quelqu'un a pu inventer une chose aussi cruelle pour avoir mes bijoux, mais je les aurais donnés volontiers. En êtes-vous sûr? Mais oui, que voulez-vous dire? Vous n'auriez eu aucune raison de donner quoi que ce soit de votre fortune à quelqu'un qui n'aurait pas enlevé votre enfant. C'est vrai. À quelle heure votre mari doit-il rentrer? Je ne sais pas, il a dû rejoindre à Juan des amis dans ces cas-là. Où est le téléphone? Par ici. Allô? Allô? Le jury est sur le point de terminer ses délibérations. Nous allons donc dans quelques instants vous communiquer le résultat du concours des voitures fleuries. Les présentatrices des voitures sont priées de se rendre dans l'enceinte réservée au jury.
Allô? On demande Monsieur Henri Pastor de Marseille, actuellement villégiature à Nice. Monsieur Henri Pastor est prié de se rendre au commissariat central pour une communication très urgente. Allô? Allô? Voici le palmarès du concours des voitures fleuries. Hors concours, Gerbe d'Iris, numéro 6, présenté par Madame et Mademoiselle Gurdalian. Ce n'est pas possible, commissaire, que nous ne puissions rien faire d'autre qu'attendre. Oh, il est près de minuit déjà, je n'en peux plus. J'en peux plus, c'est tellement abominable. Vous devriez aller vous reposer, madame. Monsieur Pastor, insistez auprès de madame. Vous me reposez quand je ne sais même pas ce qu'ils ont fait de Martine, je ne peux même pas rester assise. Mais vous agitez, ne rime à rien qu'à vous épuiser. Et vous pouvez avoir besoin de vos forces pendant quelque temps encore. Oui, le commissaire a raison, madame. Est-ce que vous voulez dire que cela peut durer plusieurs jours? Non, ça ne vaut rien. Mais que fait la police? Ben, c'est qu'elle peut, monsieur Pastor. Enfin, avec les moyens dont vous disposez, vous devez pouvoir... Mais n'oubliez pas que vous êtes sorti vers 20h. L'absence de l'enfant n'a été constatée que vers 21h30. Martine a pu être enlevée à n'importe quel instant au cours de 7h30. Si c'est au début, le criminel a sur nous 1h15 d'avance. De traces, il a trop bien préparé son coup pour en avoir laissé. Il n'y a même pas d'empreinte, ni autour du lit, ni autour de la fenêtre. Personne dans le voisinage n'a remarqué quoi que ce soit. Mais alors, comment retrouverez-vous sa trace? Les criminels sont des hommes, madame. Ils ont des défauts des hommes. Ils parlent. Ils ont des amis aussi. Des ennemis. Et la police a des oreilles partout. Partout même, loin de la tempête. Il n'y a Oh, je suis mort avec ça, on peut même plus boire tranquille. Ouais, il est là pour qu'on le fasse jouer, si monsieur l'a mis en marche, c'est son droit. Oh, bon, ça va, j'irai boire ailleurs. Oh, bah, c'est ça, va voir ailleurs. Bah, monsieur n'est pas mélomane, ça. Oh, vous fichez-moi la paix, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Non, justement, ça me regarde, c'est moi qui ai envie de musique. Et j'ai envie de musique parce que je suis gay, c'est que... C'est un anniversaire? Non, mais c'est un jour. Je sais plus tout à fait pourquoi, mais c'est un bon jour. C'est tout ce que je peux dire. T'as fait fortune? Fortune? Comment t'as deviné? Comme ça. À coup, une affaire que je mijote depuis longtemps. Maintenant, c'est dans la poche. Et j'aurais même plus besoin de venir dans ta tôle où on m'empêche de faire de la musique. J'aurais un bar chez moi avec toutes les bouteilles. Oui, comme ici, un pick-up avec tous les disques que je voudrais. Et la télévision. Et même si je veux une pacard, oui, monsieur, une pacard, oui. Eh ben, vous n'avez pas besoin de me regarder comme ça. Je suis pas sous, moi. Un peu gay, quoi. Mais il y a de quoi être gay, il y a de quoi. Montrez-moi vos papiers. Mais quoi? Montrez-moi vos papiers. Qu'est-ce que vous voulez en faire de mes papiers? Police. Police? J'ai rien fait, moi, de quoi vous m'accusez. Vous n'avez pas le droit de... Allez, venez avec moi. Mais où ça? Au commissariat. C'est pas légal, monsieur, si. Mais pas... Ça s'appelle une vérification d'identité. Allez, où? Comment, allez, où? Deux heures du matin. Peut-elle être maintenant, ma petite fille? Essaie de dormir, Marthe, je t'en prie. C'est ma faute, j'aurais dû la surveiller davantage. Non, c'est la mienne aussi, je n'aurais pas dû partir. Je suis bien punie, Henri. Je n'ai pas été pour toi. Ne te torture pas, ma pauvre Marthe. Tout le mal est venu de moi. Si je ne m'étais pas laissé entraîner à jouer, jamais il n'y aurait eu l'ombre d'un nuage entre nous. Me pardonneras-tu jamais? Oh, ne dis pas une chose pareille. Tout cela, c'est le passé. Le passé, il n'y a que 5 heures. Des siècles. Crois-tu qu'ils aient découvert une piste? On sort demain matin. Dès la première heure, j'irai rue Geoffrey devant la police. Alors, tu es où? C'est toi qui as fait le coup? Non. Je te lâcherai pas, tu sais. C'est pour moi. Oui, mais tu sais quelque chose. Non. Tu veux dérouiller, je vois. Attends. Non, ne me faites pas de mal. C'est pas moi, j'ai rien fait. Et le pick-up et la Packard. Je t'ai entendu au bar. Alors? Moi, je vous dis que je sais rien. Oh, j'en peux plus. J'en ai assez. Moi aussi, j'en ai assez. T'as qu'à parler. J'ai soif.
Merci. Ah non, 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 excuse. Celui-là, c'est pour moi. Pour que je sois... Tu boiras quand t'auras parlé. Elle est fraîche. C'est bon, la bière fraîche. Tu fumes? Oui. Mais qu'est-ce que t'attends pour fumer? On m'a pris mes cigarettes. Pas gentil, mais on va te les rendre. Ah. Dès que tu auras parlé. Mais je ne sais rien, bon Dieu. Rien, même pas le nom des types qui ont fait le coup, je ne sais rien, rien. Des types? Il y en avait plusieurs? Je sais pas. Pourquoi tu dis des types? Je suppose. Bon, quoi. Bon, puisque tu persistes. Qu'est-ce que vous faites? J'enlève ma veste pour être plus à l'aise. Vous allez me frapper! Puisque tu ne veux pas parler, allez! Non, non! C'est pas vrai, je ne sais rien! Allez, reste là, Charlie. Je ne veux pas de ça. Va te coucher. Il est fatigué, le pauvre, il faut le laisser dormir. Ah, dormir, naturellement. Merci, commissaire. Tu lui as donné à boire? Pas souvent. Bonsoir. Bonsoir. Allez, tiens. Bois. Oh, merci. Tu peux y aller, j'ai pas une blague. Merci. Une pipe? Oui. Merci, monsieur. Ça va mieux? Oui. Le copain Charlie, il a pas de patience. Ben oui, mets-toi à sa place. Il devrait être au Pajot depuis minuit, nous voilà, plus de 3 heures d'horloge. Il bute contre ta tête de cochon. Ça, il faut bien avouer que tu as une tête de cochon. Oh. Tu penses bien que si on t'a épinglé aussi vite, c'est qu'on a des preuves. Des preuves contre toi. Contre moi? Mais naturellement. Alors, qu'est-ce qui va t'arrêter? On passait au tourniquet tout seul, comme un couillon, sans même avoir profité du coup. Ben, c'est ta pomme. Nous, on fait notre boulot, on essaie de te tirer là, pour piquer les vrais coupables. À côté de ceux-là, tu n'es plus rien du tout, tu comptes plus. Si on tient compte du fait que grâce à toi, on a vu les autres, contre lesquels on n'a aucune preuve, ben, c'est passé à des félicitations, tu peux avoir droit. Je ne sais pas pourquoi je te pique tout ça, d'ailleurs. Allez. Encore un coup de bière? Oui, tu te sais fort bien. Oui, merci, monsieur le commissaire. Tiens, je joue franc jeu avec toi. Les autres, ils étaient deux, je le sais. Exact? Oui. Toi, tu t'es occupé de repérer les lieux. Exact? Oui. Et de trouver une planque pour la garder. Oui. Exact? Tu vois comme ça simple, non? Je ne te demande que de compléter ce que nous avons. T'as pas celle dont tu parlais au bistrot qui te permettrait de t'acheter une Packard. Tu l'aurais eu dès que Frick aurait rappliqué. Exact? Bah, oui. Mais dans le coup lui-même, là, tu n'es pour rien. Non. Bon. Ben, tu vois comment on s'entend, tous les deux. Ça va être fini pour toi, parce que pour moi, il faut que j'aille à la planque. Où tu m'as dit qu'elle était déjà, cette planque? Là. Allons. Après, tu dors. T'es sorti de l'histoire. Où elle est, la petite? Mais quelle petite? Oh, tu fous pas de moi, hein? Martine. Mais je connais pas de Martine. La petite pastor, quoi. Vous avez enlevé, toi et tes copains. On parle pas de la même chose, inspecteur. Quoi? On n'a enlevé personne, nous. Mais, alors, de quoi parles-tu, imbécile? De la bijouterie Robert-Hull. Oh, merde! Mais vous saviez pas? Mais non, je savais pas. Oh! Mais maintenant, je sais. Oh, je te jure que tu me le payeras cher, très cher. Tu seras salé, mon petit bonhomme, hein. Mais vous m'avez dit que... Ah, tu leur as indiqué le coup. T'as planqué les bijoux et tu n'as même pas enlevé la petite. Il y a 3 heures, tu nous casses les pieds. Allez. Charlie, allez, emmène-moi ça coffre-là, hein. Il a voulu? Oui, mais autre chose. Oh, j'en ai marre, je vais me coucher. À demain matin. Alors, où en es-tu? La surveillance continue autour de la villa, bien que je ne pense pas que le gars ait l'idée de venir s'y balader. Les parents? Tout à fait soleil, ils sont comme des fous. Ça se comprend, oui. Et la boniche? On l'a laissée libre. Elle n'a pas voulu quitter madame. Le cousin? Non, mais Loulou. Son alibi tient le coup. Mm-hmm. Il a travaillé chez son patron très tard et est rentré dîner chez ses parents. Il attendait Catherine pour aller danser. Allô? Oui, c'est moi. Ah, au courrier. C'est bon, j'arrive. On y va. Non, c'est pas tout. Oui.
Madame, oui, elle a reçu une lettre au courrier. Je m'y attendais. Là-dessus, on va peut-être pouvoir travailler. Vous croyez, commissaire, que cette lettre va nous donner une piste? Oh, je suis à bout, j'ai rêvé qu'elle était morte. Vous ne pensez pas à des choses pareilles? Je vous assure que nous ne perdons pas notre temps. Voyons. Vous n'avez pas trop tripoté l'enveloppe? Non, non, commissaire. Jaune, ordinaire. Nous, on en débite des milliers par jour aux prises uniques. Le timbre du bureau poste de Magnan. La lettre et l'adresse en lettres d'imprimerie découpées dans les trois journaux de Nice. Espoir, Le Patriote, Nice Matin. Ils ne sont pas fous. Ils sont écrits nous, ils sont en plus. Oui. Oui, à moi qu'il essaye de nous tromper. Allez, Martine va bien. Nous avons besoin de beaucoup d'argent. Argent avec un S. Ils disent qu'elle va bien. Mais c'est probablement vrai. Vous croyez qu'ils enverront d'autres lettres? Logiquement, oui. À l'heure actuelle, l'enfant ne peut bouger. Elle est à la bonne. Dans les environs, si nos barrages ont joué, plus loin, si nous les avons dressés après son passage. Mais un complice est resté dans les environs. C'est celui-là qui doit négocier. C'est celui-là que nous devons passer. Oh, quelle que soit la somme qu'ils réclameront, je paierai. Mais bien sûr, mais avertissez-moi d'abord. C'est préférable. J'insiste. Naturellement, commissaire. De la police. Aucune piste sérieuse n'a pu être découverte dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Martine. Les parents de l'enfant nous prient d'annoncer que la prime de 500 000 francs n'est pas limitative, qu'elle sera versée à toutes les personnes apportant des renseignements susceptibles de faire avancer l'enquête et que le nom de la personne, même complice, qui entrerait en rapport avec monsieur et madame Pastor ne sera pas divulgué. Tu vois, ils ont diffusé notre communiqué. Enfin, il n'est pas possible que personne n'ait rien vu, ne sache rien. Un complice devrait être tenté. Oh, il peut me demander n'importe quoi, je lui donnerai. Personne ne le saura. Madame, madame. Quoi? Une lettre, madame. Une lettre comme la première. Donnez. Oh, Lily, je n'ai pas le courage. Vous avez 24 heures pour préparer 20 millions liquides. Vous recevrez des instructions pour les remettre en échange de Martine. Ne prévenez pas la police. 20 millions. Vous, Catherine, tenez votre langue. Madame va accepter. Oh, bien sûr. Où avez-vous trouvé la lettre? Sur la pelouse. Oh, ces agents qui surveillent. Il est facile en passant et sans attirer l'attention de lancer une enveloppe à travers la grille. De la cuisine, vous n'avez rien vu, Catherine? Oh non, je l'aurais déjà dit à madame. Mais je n'ai pas été là tout le temps. C'est en faisant la chambre que de la fenêtre du premier. Allez finir la chambre. Oui, madame. Henri. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je préviens le commissaire. Attends. Quoi? Raccroche, il faut que je te parle d'abord. Soit, qu'est-ce qu'il y a? Henri, il ne faut pas prévenir la police. Tu es folle? Non. Mais enfin... Non. Si nous prévenons les inspecteurs, ils vont essayer de tendre un piège. Mais c'est cela que tu veux, non? Non, enfin... Oh, si j'étais sûre que ça réussisse naturellement. Mais s'ils échouent, les autres se vengeront sur la petite. Mais la police a des moyens puissants. Oh, je sais. Mais je ne veux pas que Martine risque... Ah, oh, ce serait trop affreux. Le commissaire nous a pourtant bien commandé. Oh, rappelle-toi les affaires d'enlèvement où les parents ont tout dit à la police. Ça n'a jamais rien donné. Les malfaiteurs ont une espèce de correction à leur manière. S'ils constatent notre loyauté, peut-être qu'ils se croiront obligés. Oh, et puis enfin, c'est notre seule chance. C'est pas moi. Mais si tu es bien réfléchi... Oh, j'ai pensé à cela toutes ces deux horribles nuits. À ce qu'il faudrait faire quand la lettre arriverait. Oh, je t'en supplie, Henri, ne préviens pas Gabriel. Ma pauvre Marthe, moi-même, à certains moments, je ne sais plus que penser, que décider. Et puis, la fortune est à toi. Tu as le droit d'en disposer. Elle serait à toi, je raisonnerais de la même façon. Oh, crois-moi, notre seule chance de sauver Martine est d'essayer de traiter directement avec eux et qu'aucune indiscrétion ne soit commise. Et Catherine est au courant? Oh, elle ne sortira plus d'ici avant que nous ayons fait cette tentative. 20 millions, c'est exorbitant. Pour Martine? Non, enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. D'abord, tu ne les as pas. Si. C'est à peu près tout ce qui doit se trouver à mon compte à Marseille. Là, je t'admire. Moi, depuis 24 heures, depuis cette nuit atroce, j'arrive pas à mettre deux idées ensemble. Oh, tu m'as toujours reproché d'être une femme de tête. Il faut bien que ça serve pour une fois à quelque chose. Tu as un plan? Oui. Je vais te donner un chèque de 20 millions.
Avec la Bugatti, tu peux être à Marseille pour déjeuner. À l'ouverture de la banque, tu prends l'argent et tu es de retour avant... Attends, prends le téléphone. Allô? Oui, commissaire. Un instant, je vous prie, je ferme la fenêtre. C'est Guérouille, allez. Attends. Oh, surtout, ne dis rien. Allô? Oui, voilà. Une lettre? Ah non, non, nous n'avons rien reçu depuis celle que vous connaissez. Oui? Bon. Oui, attendu. Entendu, au revoir, commissaire. Et il s'étonne que nous n'ayons rien su. Tu es sûr qu'il ne vaudrait pas mieux? Ah non, c'est décidé maintenant. Demain, nous enverrons les instructions. Tu iras. Moi? Mais oui, bien sûr. Tu iras seul, sans prévenir personne. Moi seul serai au courant. Oh, et que Dieu nous aide. Oh, maintenant, tu vas partir pour Marseille. La Bugatti est au garage. Oui. Arrange-toi pour parler à l'inspecteur qui assure la surveillance. Dis-lui que tu vas faire revoir la voiture parce que nous avons l'intention de partir dès que... En fait, dès que ce sera fini. C'est formidable. Tu as pensé à tout, ma pauvre Marthe. Embrasse-moi avant de partir. J'ai si peur, au fond. Écoute, veux-tu que je fasse un saut en voiture et que j'aille chercher la vieille Rosa, hein? Je la ramènerai et elle te tiendra compagnie. Ah non. Tu sais, ce n'est qu'un 6 km. Oh, oui, je sais, mais elle est un peu gâteuse maintenant et sous prétexte qu'elle m'a élevée, elle me parlera de Martine. Oh, j'y pense déjà assez. Non, je préfère rester seule. Et puis j'ai Catherine. Bien. Comme tu voudras. Oh, c'est pas possible. J'ai interrogé les voisins, le facteur. Absolument rien de suspect. Et la bonne? Elle n'est pas sortie. Puis j'ai pas voulu avoir l'air Mais tu as eu raison. Mais je ne peux pas croire que les pasteurs n'aient pas reçu un second message. Enfin, du moment qu'il y en a eu un premier, c'est que les types ont l'intention d'obtenir une rançon. Alors, qu'est-ce qu'ils attendraient pour la demander? Plus le temps passe, plus ils prennent de risques. Oui, à moins que la petite ait eu un accident. Oh, ceux qui ont fait ça n'est ni pressé ni maladroit. Les accidents arrivent à ceux qui se bousculent. Et malheureusement aussi aux autres. Quand ils ont touché la rançon et qu'ils n'ont plus besoin de la gosse... Oh, c'est toi. Allô? Oui, j'attends. Allô? Allô, oui, c'est toi, Henri? Oui. Ah, tu es arrivé trop tard, 5:30. Et la banque était fermée. Oh, de toute façon, tu n'aurais pas eu le temps. Oui. Oui, déjeune et tu y retourneras à 2 heures. Merci d'avoir téléphoné. Non. Non, rien de neuf. Non, le commissaire ne s'est pas manifesté. Oh, je suis seule ici à tourner en rond, c'est épouvantable. Je deviens folle. Oh, je voudrais être à demain. Quoi? Non, elle n'a pas bougé, elle n'a parlé à personne. Elle est à la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur l'inspecteur, vous m'avez fait peur. Oh, il n'y a pas de quoi, mademoiselle Catherine. Mais pourquoi n'avez-vous pas sonné à la porte? Pour ne pas déranger. Je voudrais seulement un verre d'eau. Il fait un peu soif au soleil. Oh, bien sûr. Vous ne voulez pas de la bière? Il y en a de la fraîche. C'est pas de refus. Mais entrez donc. Non, je ne dois pas quitter la rue. Passez-le-moi par la fenêtre. Vous devez rester là, c'est tout. Oui. C'est pas un métier bien fatigant. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Bien sûr. Ah, elle est bonne, votre bière. Il y en a toujours une bouteille au frigidaire pour monsieur. Mais aujourd'hui, j'ai le temps d'en mettre une autre. Il ne rentrera pas avant ce soir? Non. La lettre de ce matin, c'est vous qui l'avez trouvée? Quelle lettre? Eh bien, la demande de rançon. Comment? Vous savez ça? Ah ben, c'est monsieur Pasteur qui nous l'a téléphoné. Ah bon? Oui, mais s'il vous a recommandé de ne pas en parler, hein, j'ai rien dit. Ah, merci pour votre bière et au revoir, mademoiselle Catherine. Au revoir. Et si vous avez encore soif, ne vous gênez pas. Peut-être bien que j'aurai encore besoin de boire. À votre service, inspecteur. Merci. Allô, l'Inter? Mademoiselle, ici le 520-50. J'attendais une communication de Marseille. Oui, vers 14h30 ou 15h. Mais c'était très important.
Mais je n'ai rien reçu. Oui, est-ce que... Ah oui, bien sûr. Maintenant, les communications sont directes. Oui, vous n'avez pas le moyen de me renseigner. Bon. Merci, mademoiselle. Allô, les renseignements? Je voudrais le numéro de Monsieur Roustan. Charles Roustan, directeur de la banque de crédit. Il habite boulevard du Prado, mais je ne sais pas le numéro. Bien, j'attends. Comment? Vous me le passez directement? Oh oui, c'est cela, je vous remercie, mademoiselle. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Allô, oui? Je suis chez Monsieur... Ah, c'est vous, Monsieur Roustan. Oh, excusez-moi de vous déranger chez vous. Ah oui, vous avez appris. Oh, c'est une chose affreuse. Nous passons des heures. Excusez-moi. Oui, il faut que je sois courageuse. Ah, le caissier vous a avisé de sa visite. Ah, il était déjà parti. Oh, vous savez, il est tellement frappé, il n'a sûrement voulu parler à personne. Excusez-le. Mais c'est justement ce que je voulais savoir. Non. Non, il n'est pas encore de retour. Merci. Au revoir, Monsieur Roustan. Je deviendrai fou. Tapis ! Madame ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien, rien. Rien, c'est rien. J'ai une peur tout d'un coup, c'est stupide. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? T'es sur la haute serviette. Eh bien, apportez votre ouvrage ici. Vous resterez avec moi jusqu'à ce que monsieur rentre, s'il vous plaît. Mais oui, madame. Merci, Catherine. Madame n'a pas à avoir peur. Il y a toujours un inspecteur qui veille. Il va rester toute la nuit. Sûrement, il me l'a dit. Ah. Je vous assure, madame. C'est plutôt rassurant. Oui, bien sûr. Et monsieur ne rentre toujours pas. Non. Je m'étais endormie. Allez voir si cet inspecteur surveille toujours la villa. Oui, madame. Et dites-lui que je veux parler tout de suite au commissaire Gabriel. Allez, vous entendez tout de suite. Il faut qu'il vienne tout de suite. Bien, madame. Commissaire, il est arrivé quelque chose à mon mari. Quelque chose? Oui, un accident. Comment le savez-vous? Oui, il a été obligé d'aller à Marseille pour ses affaires. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Parce que ça n'avait aucun intérêt. Bah, la preuve. Mais il aurait dû être rentré pour 17h, 18h au plus. Il est maintenant 23h. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé plus tôt? Mais je pensais toujours qu'il allait revenir. Mais tout à l'heure, j'étais plus d'une terreur après ce qui est arrivé. Oh, commissaire, j'ai peur. Il y a quelqu'un qui nous hait. Après ma fille, c'est mon mari qui les a pris. Oh, calmez-vous, madame. Nous allons nous en occuper. Mais vous n'arriverez à rien, pas plus que pour Martine. La police est incapable de rien trouver. Ils sont bien plus forts que vous. Oh, Martine. Allô? Allô, ici Gabrielli. Bon, écoute. Monsieur Pastor est allé à Marseille. Oui, attends. À quelle heure votre mari est-il parti? À 9h. Il est parti à 9h ce matin. Et vous avez dit ses nouvelles depuis? Oui, il m'a téléphoné en arrivant à midi. Bon, il est arrivé à midi. Et puis? Plus rien. Depuis, aucune nouvelle. Renseigne-toi à Marseille et surtout le parcours. Le numéro de la voiture? 2904 BA13. Bon, Bugatti 2904 BA13. Je reste chez les pasteurs jusqu'à ton coup de fil. Et qu'on se renseigne aussi à Marseille sur cette voiture. Bon, d'accord. Madame. Oui. Pourquoi votre mari a-t-il voulu cacher qu'il allait à Marseille? Mais il ne l'a pas caché! Si! Il a expliqué à l'inspecteur de garde qu'il conduisait sa voiture au garage. Mais c'est probablement ce qu'il a fait! Mais non, même pas! Il est parti directement, sans passer par le garage. Pourquoi? Mais je ne sais rien! Bah, vous saviez qu'il allait à Marseille? Mais oui, naturellement. Mais où allait-il à Marseille? Mais à l'usine, je suppose! Et cela lui arrive souvent d'aller à l'usine lorsque vous êtes en vacances? Oui. Même lorsque l'usine est fermée, comme en ce moment? Vous savez cela? Quoi que vous en pensiez, nous savons beaucoup de choses. Par exemple, que vous avez reçu ce matin une lettre demandant une rançon. Quoi? Eh oui. Vous voyez que nous sommes renseignés. Mais qui vous a dit cela? Mais peu importe, je vais voir cette lettre. C'est faux!
Non, madame. Vous m'interrogez comme une coupable, mais il y a ma fille, mon mari en danger. Vous voulez que nous les retrouvions et vous nous cachez une information essentielle. C'est ridicule et dangereux. Vous avez eu la lettre d'hier et vous n'en avez rien fait. Qu'en savez-vous? Je n'ai pas de lettre. Votre mari l'a emportée? Oui. Montrez-moi cette lettre. Elle fixait le chiffre de la rançon, n'est-ce pas? Ben, madame, répondez-moi. S'il est arrivé quelque chose à votre mari, c'est probablement à cause de cette lettre. Alors, madame, ne me forcez pas à fouiller la maison. Vous n'en avez pas le droit. Vous essayez de m'impressionner. Voici un mandat de perquisition apporté à toutes fins utiles. Que disait cette lettre? Elle réclamait combien? Il me semble que vous n'avez pas ici. C'est pour cela que votre mari a été à Marseille. À l'usine? Ou à sa banque? Oh, laissez-moi, mais... Ben, on a pu le suivre. Mais qui? Ben, celui ou ceux qui lui ont envoyé la lettre. Ils ont attendu qu'il ait l'argent sur lui. Comme cela, il ne courait aucun risque. Aucun de ceux qu'ils auraient couru, si vous aviez visé la police, des dispositions prises pour le règlement. Ah, vous êtes bien coupable, madame. Si j'avais été prévenu, votre mari ne serait pas parti sans surveillance à Marseille, et à l'heure actuelle, les ravisseurs de votre fillette seraient probablement en notre pouvoir. Oh, mais je ne pouvais pas penser... Mais justement, nous sommes là pour ça. Combien vous réclamait-on? 20 millions. Bigre. Et vous avez une pareille somme disponible? La banque, oui. Quand votre mari vous a téléphoné, il avait l'argent? Non, il est arrivé après la fermeture, mais il y est retourné au début de l'après-midi. Il vous a retéléphoné? Non, non, mais je l'ai téléphoné ce soir, voyant qu'il ne rentrait pas au directeur de la banque que nous connaissons personnellement. Vous avez vu votre mari? Non. Quelqu'un n'a pas pu se faire passer pour lui? Mais non, tout le monde le connaît à la banque. Donc, entre 14 et 15 heures, Monsieur Pastor a prélevé 20 millions à sa banque. Là, nous perdons sa trace. Pensez à ce que nous aurions pu faire de 15 heures à maintenant si nous avions su cela. Vous rendez-vous compte de votre imprudence? Oui. Maintenant, montrez-moi cette lettre. S'il y a le moindre indice à y trouver, au moins... Elle est identique à la première, tenez, la voici. Allô? 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 Quoi? Oh, c'est pour vous, commissaire. Donnez. Allô? Oui? Bon. À quel endroit? Et lui? Bonsoir. Merci. Qu'est-ce que c'est? On a retrouvé la voiture de votre mari. Où? Sur la cannebière. Et lui? Lui, non, mais les recherches continuent. Oh, vous aviez raison, ils l'ont suivi et enlevé. En plein jour, en pleine ville, un homme de sa force. Mais s'ils l'ont abordé en lui faisant miroiter qu'il allait voir sa fille. Il est courageux, il les a accompagnés de sa propre volonté. Mais... Oh, c'est terrible. Et ils les ont tués tous les deux. Sans cela, Henri m'aurait donné des nouvelles. Ne vous affolez pas, nous ne tarderons pas à savoir. Je vais rentrer à mon bureau. Oh non! Si, il vaut mieux que je sois là-bas s'il y a des ordres à donner. Il est probable que la piste reviendra par ici. J'ai toujours pensé que l'enfant n'a pas quitté la région. Mais Henri! Ben, ils ont dû me mettre dans la possibilité de communiquer avec qui que ce soit. Le temps de se mettre, eux, à l'abri. Pourvu que vous ayez raison. Alors, courage, madame. Nous touchons au bout de votre carrière. Vous me tiendrez au courant. Oui, je vous téléphonerai les nouvelles au fur et à mesure que je les recevrai. Merci. Ah, oh, je n'en peux plus. C'est un cauchemar. Mais vous devriez essayer de vous reposer. Mais dans l'état où je suis. Il y a deux jours que vous n'avez pas dormi. Laissez-vous aller. La nature fera le reste. Oh non, non, je vais être là si vous téléphonez. Donc, ce téléphone vous réveillera. Et je vous en prie, cette fois, c'est sérieux. Hein. S'il arrive la moindre chose, appelez-moi. Oui. Tout de suite. Oui, je vous le promets. Qu'est-ce que c'est, Catherine? Un télégramme, madame. Oh, Denis, vite! Va chez Rosa, Henri. C'est le monsieur? Oui, je comprends pas. C'est de la vieille Rosa que monsieur parle? Oui, sûrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Probablement je suis en danger. Il m'avait dit pour que je quitte la villa. Préparez-moi vite une valise, je téléphone au commissaire. Bien, madame. Oui. Ah, madame Pastor. Un télégramme de votre mari? Hein?
Ah oui, vous avez raison. Et où habite-t-elle, cette Rosa? À Saint-Pierre-de-Féric? Bon. Ne bougez pas. Je serai chez vous dans 10 minutes. Appelez l'inspecteur de surveillance et dites-lui qu'il ne vous quitte pas jusqu'à ce que j'arrive. J'irai avec vous, là-bas. Comment? Oui. Oui, j'ai un recoupement bizarre. Non, ne perdons pas de temps, je vous expliquerai. C'est impossible ce que vous me dites, commissaire. Monsieur Pastor a pris l'avion de la Sabena pour Bruxelles hier à 17h à Marignane, madame. Mais vous êtes sûr que c'est lui? Sûr. Ils l'ont enlevé. Il n'est pas parti seul. J'attends le rapport de l'hôtesse de l'air qui rentre à Marignane ce matin. Pour le moment, je n'ai que le nom des passagers. Et cela, évidemment, ne peut rien me dire. Sauf s'il y avait eu parmi eux un individu connu de la police, ce qui n'est pas le cas. Donnez-moi le télégramme. Il est là. Marseille, différé. Vous voyez, il m'a prévenu tout de suite. Il sentait un danger. Oui, peut-être. Va chez Rosa, Henri. Qui est-ce, votre Rosa? Ma nourrice. Elle est très vieille et très solitaire. Elle descend tout de même quelquefois au village. Peut-être une ou deux fois par mois. Elle vit du lait de sa chèvre, de quelques légumes, de fruits de son jardin. Pour le reste, je lui fais une petite rente. Attendez-moi ici. Charlie, reste avec madame. D'accord. Mais pourquoi ce revolver? On ne sait jamais qui on peut trouver derrière une porte. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous, Rosa? Oui? Il n'y a personne chez vous? Non. Oh, c'est madame! Rosa. Vous venez chercher la petite? Martine? Tu as Martine, elle est ici? Elle dort. Oh! Mon Dieu, mais je peux pas le croire, c'est pas vrai. Venez sans faire de bruit, elle est dans la chambre. Non, restez là, Rosa, non. Allez, madame. Oh, Martine, ma petite mère. Mais que fait cet enfant chez vous? Mais c'est monsieur qui me l'a amené. Quand? Avant-hier soir. À quelle heure? Vers 8h30. Du soir? Quelle raison vous a-t-il donné? Il m'a dit qu'elle venait d'être malade, qu'il fallait bien la soigner, la garder 3 jours à la chambre sans qu'elle sorte, que madame était fatiguée, que je ne devais pas la quitter. Vous n'avez pas la radio? Oh non. Et vous ne voyez personne? Non, pas bien souvent. Oh, commissaire, je suis heureuse, elle est là, elle dort comme un ange. Bon, asseyez-vous, madame Pastor, et écoutez-moi. Maintenant, le danger est passé. Mais mon mari... C'est lui qui a amené sa fille ici. Il est reparti? Oui, il l'a amené le soir de l'enlèvement. Mais qu'est-ce que vous dites? La vérité. C'est pas possible. Si, c'est lui qui l'a enlevé. Mais pourquoi? Pourquoi? Il avait besoin d'argent. Oui, mais... C'est vous qui aviez la fortune. Oui, lui n'était que directeur des usines que m'a laissé mon père. Vous ne m'aviez pas dit cela. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Oui, bien sûr. Et moi qui n'ai pas eu l'idée de vous le demander. Il jouait. Oui. Oui, vous avez été obligé de lui refuser de l'argent. Oui, il avait fait déjà pas mal de bêtises. Et je craignais pour l'avenir de Martine. Oh, mais c'est monstrueux. Il a pu faire ça. Oui, madame. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Que voulez-vous que je fasse? Rien. Mais enfin, pourtant... Il y aurait bien l'outrage au magistrat pour nous avoir fait marcher, mais ce n'est pas avec cela qu'on le fera extrader. Si on le pince, c'est jamais, car de Bruxelles, il a déjà dû filer vers le mairie. Mais il m'a volé 20 millions! On ne vole pas sa propre femme, madame. Du moins, d'après le code. Ouf. D'autant que vous avez dû lui donner un chèque, hein? Oui. De votre propre volonté. Oui. Et il est même probable que vous l'avez forcé à le prendre. Lui, il ne voulait pas que vous payiez, il voulait me prévenir. Comment le savez-vous? C'est logique. Ça cadre avec son scénario, ça. Mais Martine! Il a conduit son enfant chez votre nourrice en recommandant qu'on la soigne bien. Il n'y a là aucun crime. Aucun crime. Alors, c'est fini, patron? Oui. Et le gars a gagné 20 briques? Oui. Eh ben. Si je le trouvais... Ben, je ne sais pas si je lui ficherais une raclée ou si je l'embrasserais. Quoi? Mais oui. Cette gosse m'a empêché de dormir, alors de savoir qu'elle n'a pas eu de mal.
Parce que les gosses, c'est tout de même fait pour être vivants. Kidnapping, nouvelle radiophonique d'Yvan Noé, avait pour interprète Jacqueline Rivière dans le rôle de Marthe Pastor, Jean-Claude Michel dans le rôle d'Henri Pastor, avec Gabriel Fontan, Gaëtan Jor, Gilbert Hédard, Yves Duchâteau, Jean Mauvais, Guy Decomble et François Vibert de la Comédie Française dans le rôle du commissaire Gabrielli. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet.